Ouais, je savais pas où tu comptais l'argent. Depuis qu'elle a été massacrée, le voisin ici là. Vous savez vous appelez comment? Ouais, je suis la grande soeur de ta femme. Comment t'explique là? Ta petite soeur Agnès, je ne sais pas le problème qu'elle a eu avec moi. Un matin, elle débarque chez moi, elle me fait comprendre que c'est fini. Ne parle pas, tout le monde. J'ai pleuré. Montre-moi, ouais, tu es venu ici dans ce pays pleurer. Voici la maison du voisin là. Viens me montrer. Allons là-bas. Je dis, je pleure. Ouais, ne parle pas. Pour pas résoudre le problème. Ok, gros, comme ça pour rien. Un petit, un voisin, il te fait peur. C'est sa maison, monsieur, maman. Et tu ne peux pas. Pardon. Tu sors. Pardon. Si tu veux taper, tape doucement. Tu as d'abord la clé ici. Et dans ça, c'est un pays qu'il peut m'appeler la police. Ok, je suis énervée même quand j'explique comme ça. Je suis très énervée. Avec tout ce que j'ai fait pour ta soeur. Franchement, tu es venu aux États-Unis pleurer. Toi aussi. Tu prends le numéro de sa soeur, je lui donne. Après, je le supporte. Est-ce qu'on donne le numéro de sa femme à son ami comme ça? Je le supporte seulement. Pour réfléchir. Je le supporte. Tu ne vois pas ce qui arrive aux gens ici dehors. Je te fais confiance, belle soeur. Toi, tu sais combien j'aime ta soeur. C'est qui va là? C'est Kikiriki. Attends, bonjour. Tu es un gars que tu aimes. C'est vous qui détruisez les couples. Je ne pourrais jamais. Vous venez dans ce pays à prendre les femmes, jamais. Détruit les mariages des gens. Tu ne souffres les femmes. C'est vous qui avez ma soeur. Vous avez pris ma soeur à son mari. Elle ne m'a jamais dit qu'elle avait un mari. Je sais pas. Comment? C'est la marque. Vous m'avez dit qu'elle vous a jamais dit qu'elle est mariée. On vient dans ce pays, se voir venir détruire les couples. Je ne sais pas de quoi vous parlez, madame. Vous avez détruit son mariage. Arrêtez de parler pour me recevoir. Vous ne pouvez pas la détruire comme ça. C'est pas normal. Mais ils ont des enfants, monsieur. Vous pouvez vous calmer. Je ne me calme pas. Tout ça s'est passé quand la mère est partie à Takuma. Je ne me calme pas. Que d'aller damer le bâton est pas ailleurs. Quand elle voit l'argent, elle change le modèle. Oui, je suis un peu occupé là, mais ça va. Est-ce que vous appelez comment? Ouais, je suis la grande soeur de ta femme. J'ai confiance en ma belle soeur, mon frère. Le gars là, il va confirmer le pilon sur la calvitie. Et le pilon, c'est pourquoi? Tu sais que quand on vient voir un beau, en fait, c'était pour vous montrer, j'essaie de piler, c'était pour piler votre taron. Je suis venue seulement te saluer comme ça là. Et le pilon, c'est pour montrer que je peux piler bien le taron. Je tourne même le couscous pour toi. Ok, les familles. Ok. Mon voisin est mort aujourd'hui. Oh. Vous appelez comment? Kikiriki? Ouais. Non, c'est une chanson là, quand on vient comme ça. Ah, d'accord. Oui. Okay. Oui, le père, pardon, ne regarde pas le pilon, c'est pour piler ton tarot. D'accord. Hein? Tu es en train de compter l'argent, le père? Oui. C'est la réunion. Non, c'est tu pas la réunion. J'ai bouffé ça à la cantine hier, je suis en train de classer ça. Ok. Tu crois que c'est encore ton voisin? Il parle d'une femme qui va te dépasser aujourd'hui. On verra bien. Sinon, ça va, le père? Non, ça va très bien. Et tu parles de Agnès, n'est-ce pas? Oui. C'est une très bonne fille. Oui, c'est ta femme. Vraiment, c'est ta femme que Dieu a donnée. Tu sais que depuis qu'elle nous a dit qu'elle avait toi, toute la famille l'encourage. Okay. Vraiment, tu la gardes bien. Hein? Vraiment, je suis venue donner les bénédictions pour son mariage. Je l'aime beaucoup. Depuis qu'elle a été massacrée, le voisin ici là. Ça a quand même un peu duré. Ça veut dire qu'on massacre. Ça va, mon cœur? Puis l'on a deux têtes. Maman. Le gars là qu'on ne voulait même pas dans la famille. Ah, mon voisin, tu l'as vu. Ton voisin. Ah, c'est lui qui était là-bas avec elle. Ok. Oui. Donc, je l'ai croisé là, il voulait faire le bruit, je l'ai poussé sur passé. Il était oui, il voulait. Il ne peut pas te toucher, il ne veut plus te toucher. Il a peur de moi, c'est la belle, s'il t'a pas dit. Et peut-être il faut que j'appelle déjà l'ambulance. Hein? Hey. Il a peur de moi jusqu'à ce n'est pas bon. Je ne parle même pas avec lui. Merci beaucoup. C'est un gars qui n'a jamais vu son père, qui ne m'a jamais rien donné. Merci beaucoup. Non. Les gens comme ça, j'ai toujours dit à ma soeur que voilà, trouve-toi quelqu'un de bien. Voilà. Dès qu'elle voit l'argent, elle change. Elle change subitement. Ouais, tu m'appelles, non? Je suis disponible. Les États-Unis, si je suis disponible, j'ai la voiture, non? Okay. Oui. Tu
vas comprendre qu'on ne blague pas avec la chose de gobelet. On verra bien. Ok, belle soeur. Merci pour la visite. Ok, merci beaucoup pour la visite. Comment sentiment? D'accord. S'il y a n'importe quoi, je vais te faire signe. D'accord. D'accord. Ok, merci beaucoup. Bye bye non. Belle soeur, ça s'est passé comment? Hé, ne me parle plus, Belle-sœur, ne m'appelle plus ta belle-sœur. Tu me connais où? Je t'avais dit qu'on ne peut pas t'accepter dans notre famille. Je t'ai dit ça, non? Oh, tu crois qu'on rigolait? Belle-sœur, belle-sœur. Mais donc, ça dit que maintenant, là... Je t'ai dit que plus jamais tu peux appeler ma sœur. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu nous vois? Belle-mère, c'est ta sœur. Elle est arrivée à États-Unis, elle a fait faux là-bas. Tu me connais, non? Tu m'as dépassé de vous. Essaye encore de passer à côté de son mari, tu vas voir. Elle a eu un mari comme ça. Tu vas pleurer plus que ça. Tu vas pleurer plus que ça dans ce pays. Tu vas souffrir. Si tu veux, tu rentres même au Cameroun. Si tu veux, tu rentres même au Cameroun. Mais là, maintenant qu'elle est entrée pour résoudre un problème, elle ressort. C'est moi qui deviens le bouc émissaire. Yeah. Même si tu m'as dépassé là, en ville, non? Même si tu m'as dépassé en ville, je vais aller au village avec ton nom. Rentre-toi au village, papa. Elle a détruit son mariage. Arrêtez de parler pour monsieur quoi. Vous ne pouvez pas la détruire. Bonsoir. Bonsoir, la famille. Vous savez, je suis occupée et tout. C'est pas facile pour moi avec l'école aussi. Le travail aussi. C'est pas facile. Donc, je me suis levée aujourd'hui. Je n'ai pas si suffisant. J'ai vu. Le direct, j'ai vu et tout, des choses qui sont passées et tout. Il faut que je donne aussi mes petits mots avant de repartir encore sur son gonon. Je n'ai pas le choix. Cette monsieur, Tadjou Mimbang, elle là, Tatiana. Donc, il y a quelqu'un qui je ne comprends pas sur Facebook, le monsieur qui s'appelle Afam. Dans sa tête, il pensait que tout c'est faux. Tout pour lui, c'est faux et tout. Il n'y a pas de réalité sur Facebook. Et comme vous le savez, c'est un monsieur qui a passé tout son temps. Oh, bonsoir bébé, le côté d'un Japon. Sur Facebook, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de... Non, je ne suis pas jaloux, pourquoi? Je suis jaloux, pourquoi? Bonsoir, Mata, comment? Il dit que la maman voulait venir aux États-Unis, qu'elle est venue avec le bâton. Elle a soulevé le bâton, aller plutôt gâter le mariage quelque part. Et qui... Maman, le talent de ça. Donc, le monsieur, tellement qu'il ne croit à rien, parce qu'il a tellement eu le trauma, il ne pense pas que nous, les jeunes femmes, on peut avoir d'autres choses qu'on a besoin, on peut payer ce qu'on a envie de payer et tout. Cette fameuse monsieur était avec nous. Quand on réalisait tout ça, on s'amusait tout, et puis on faisait le concours, comment le faire? On réalisait nos rêves. Moi, je suis avec vous ici. J'ai fait ma folie. Demain, vous allez me voir cadre dans un plus grand hôpital, même à États-Unis, même à Londres. On va m'inviter, ça va être international. On va dire que non, puisque c'est l'Iboga qui a travaillé. Pourtant, je suis avec vous ici sur Facebook. Je fais des noctambilités de travail. Je travaille, je ne vais pas à l'école. Vous savez, les derniers 4 jours, mardi jusqu'à jeudi jusqu'à vendredi, et jusqu'à lundi jusqu'à jeudi, je fais l'école. J'ai fait aussi le travail et j'ai parté au travail à chaque 10 heures, je rentre. À 22 heures, je rentre à 2 heures ou bien à 3 heures. Et je dois partir à l'école à 8 heures. Ce n'était pas facile pour moi. Quand on se débrouille comme ça et tout, un monsieur va venir nous dénigrer, nous traumatiser parce que nous, on vit notre vie de rêve. Si tu ne réalises pas tes rêves à 45 ans, tu vas réaliser à quelle heure? Moi, j'ai envie de réaliser tous mes rêves à 40 ans, à 45 ans. Je veux rentrer chez moi. À 45 ans, déjà construit une grande pharmacie. J'ai ma maison de rêve que j'ai envie de construire. Donc, tout ça, je travaille ma tête, je fais le travail, je fais des vaites à bidon. Et un monsieur va venir me dénigrer mon travail. Il va penser à ses pensées mboutoukou, ses pensées bêtes par rapport à mon travail parce qu'il ne sait pas travailler. Il ne veut pas apprendre, il ne veut pas faire des formations et tout. Moi, je suis sur la toile et je combats toute personne qui est là sur la toile. Allez faire vos formations. Faites des formations, travaillez. Ceux qui sont bêtes, qui ne sont pas, qui ne peuvent pas aller à l'école, travaillez. Le peu que tu gagnes, tu vas t'en sortir. Ceux qui bien nous sont en main, il y a toujours le boulot, ne peut pas manquer. Même si c'est Reiningo, même si c'est Service Craft, même si c'est des petites, des bricoles.
travailles forcément que tu ne peux plus payer ta maison, manger, envoyer quelque chose au pays chez tes parents, que de rester sur Facebook toute une temps. Tu es dans le noir, tu viens dénigrer des personnes comme nous, qu'on travaille dessus. Elle fait me biper le musique qui s'appelle la femme à femme. Je ne sais pas ce qui est derrière ma petite sœur. Moi, je te dis, ma petite sœur, ce n'est pas une personne, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Ma petite sœur, ce n'est pas n'importe qui. Tu te compares avec une personne qui est née dans 5 plats. Dans 5. Ma petite sœur se lève le matin, elle mange, elle pisse, elle mange, elle tourne, elle mange. Elle... Bonsoir, mon bébé, mon petit cœur. Elle mange, elle pisse au lit, elle mange. Tu te compares avec une personne qui est restée en Afrique à 6 ans, on l'a soulevée dans l'avion, amenée aux États-Unis. Tu te compares avec une personne qui mange avec le président de ton pays. Tu te compares, je ne comprends pas. Tu ne comprends rien. Vous pensez même que quand Loretta va payer sa maison avec son mari, vous pensez qu'elle n'a pas de maison? Les mamans les ont payé la maison. Mais elle écoutait mes concerts. Je criais à l'église, je parlais. Elle voyait la vie de sa soeur. Elle dit que pourquoi je ne peux pas être comme ma soeur? J'ai envie d'avoir ma liberté, quitter dans les maisons familiales. Je ne vais pas me débrouiller. Ma petite a payé son villa. Et tu es là dans le même États-Unis. Et tu te plains. Que t'es voilà où tu as tombé sur ma petite soeur. Quand je marche sur toi, tu vas dire que je suis toi. Tu as pris Tatiana ici. Tu vois Tatiana, la belle femme. Qui est là. Elle fait des choses de luxe et tout. Parmi de nous, là, que tu nous vois, là, chacun a son don, chacun a de son savoir-faire. Tatiana est un peu comme les tata Lolo, comme ceux qui aiment les décors, arranger, les tout changer, végéter. C'est pas comme le nous, comme rester 5 ans, 20 de quoi à la maison. C'est des personnes, c'est des femmes qui aiment la vie, vous voyez, des styles, des femmes de luxe et tout. Quand tu vois une personne qui te dépasse, il faut apprécier. Si tu n'arrives pas à partager, apprécie. Moi, je connais Tatiana. Il y avait une Nadia que je suivais avec les histoires des décors. Mais depuis que j'ai connu Tatiana, quand j'avais regardé un décor, je passe sa page. Je regarde le décor d'intérêt. Il y avait aussi une Camerounaise, c'était ma copine avant, la fille de la Belgique là. Je l'ai suivais avant. Mais avec nos histoires de Ndjapap, je me suis séparée avec tous mes amis et tout. J'étais obligée de venir, on va rester dans les faisceaux de Ndjapap. J'ai choisi mon chemin et tout. Je passe sur la page de Tatiana quand j'ai envie de voir des jolis décors et tout. J'ai envie de voir peut-être des fleurs, de nouveaux pots, de fleurs pour acheter et tout. Une décoration bien tout pour changer pour tout. Oui, je peux partir, je guette et tout. Mais je félicite, je suis contente, je suis fière d'elle. Chacun a son savoir-faire sur Facebook. Toi, tu es dans le noir. On ne veut savoir qui tu es. Tu ne te présentes pas. Tu nous insultes, les vilains des balles. Oui, ils sont vilains, mais nous, les Européens nous connaissent, les Américains nous connaissent. Nous, on nourrit les Européens, les handicaps. Oui. Si toi, tu es incapable, ce n'est pas de nous. On n'a pas dit que tu peux travailler tout un pays. Tu peux travailler 20 heures, 25 heures. Tu t'arrives à t'occuper de tes petites choses, tes petits besoins. Tu as ton petit une chambre, tu décores ça bien comme ta chaîne à faire et tout. Tu es tranquille. Ma maison, c'est grande jusqu'à... Même l'autre, je la m'a vraiment demandé, c'est une nouvelle maison que tu viens à peine de prendre. Non. Parce que je n'ai pas tout, beaucoup d'argent pour décorer ma maison, mais il faut au moins 15 000 euros pour décorer la maison, c'est pour appeler les agents de décor. Il faut au moins 15 000 euros. Seulement ici, en haut, pas en bas. Hein. Seulement en bas. Parce que seulement ici, en haut. En bas est déjà tout complet, arrangé, tout, tout. Parce que nous, on habitait d'abord en bas. Mais on est monté ici, en haut. Surtout pour moi, parce que je fais des bruits. Si on a laissé l'appartement en bas qu'on a beaucoup plus dépensé, on est venu ici, rester ici en haut. Moi, je dis à mon mari, je préfère ici en haut parce que je fais comme je veux, je m'amuse comme je veux et tout. Le bandit ne peut pas te suivre. Dès que je garde pas, je monte, je suis là. Mais en bas, ça serait facile, ouvre la porte, tu entres et tout. Toi, tu es là, tu n'as rien dans ta tête. Tu t'en chantes sur les enfants. C'est toi qui n'insultes pas. Toi, tu as dénigré tout, même comme ça, tu l'as dénigré comme un pourriture. Oui, c'était des bonnes guerres, tu l'as soutenu maintenant. Mais laisse ma petite sœur tranquille, ma petite ne te doit rien. Elle ne te doit rien. Elle ne doit, j'ai dit que même sa mère, elle ne doit pas. Elle a lavé ses mains comme ça, chaque fois avant de quitter à la maison. Tout ce que sa mère donnait, elle a remboursé, une petite fille. Elle a tout remboursé. Même la maison qui était gratos, que les mamans a payé. Tu penses que Lorette, c'est comme les nous, comme ça, que nous sommes venus à Bengue pour souffrir. Vous pensez, si ma mère avait une maison ici à Bengue, elle doit acheter, je ne pense pas. Tu dois avoir une vie facile.
Elle est restée, sa mère est partie les soulever, amener à Bengue, payer la maison, déposer. Elle a resté là-bas, elle a fait les études. Tu me compares avec les enfants de haute classe. Tu les insultes, tu n'es rien. Quand elle est partie montrer le jacuzzi, c'est sa maison. C'est sa maison, je sais que tu es étonné. Parce que quand on était ensemble, elle n'avait pas tout ça. Tu es étonné, tu es la rage de la jalousie de ça. Ça peut te tuer. Parce que l'enfant a grandi devant tes mains. Tu as connu Lorraine avait peut-être 24 ans. Oui. Ou bien 23 ans. Elle habitait encore dans la maison que sa maman avait payée. Aujourd'hui, comme Lorraine a grandi, elle est quittée d'Angleterre, elle est partie chercher sa propre vie, payer sa maison, et rester là-bas, tu peux mourir. Même le mari de Lorraine, même si comme cela, tu ne veux pas. Quand le monsieur la parle, je tremble. Oh, oh, oh. Hey, bébé. Wada. Hey, maman. Maman. Tu ne veux pas. La voix de ça. L'américain de ça, maman. Il y a seulement la nièce qui se passe dans la maison là. Tu te parles avec une fille, une petite fille. Quand c'est fantasme sexuel, tu ne peux même pas. Je comprends pourquoi Lorraine ne vous a jamais géré, vous les Camerounais. Lorraine a toute une salle de gym chez elle. Toute une salle de maison de striptease dans son appartement. Tu veux pas là-bas une fille qui vit sa vie, une place, une chance. Une fille qui a déposé tout avant 30 ans. C'est avec le genre de fille là que tu te compares. Hmm? Tu ne vas pas te catégoriser les gens qui ont raté les vies, qui sont en France là. Les femmes qui ont raté les vies, qui sont en France là-bas, qui sont venues décider de tirer les valises, font les vies ratées, attendre que l'homme les donne 500 euros. Tu n'es pas là, une petite fille qui se bat depuis enfant. Ok, tu dis, je vais accepter. Tu dis que c'est, elle s'appelle quoi la fille là, et ma copine là. Elle est venue dire que non, c'est comme ça, blablabla. Bla, bla. Tu as demandé à la fille là, c'est la fille là à la maison. Si la fille là aussi, elle a reçu la fille comme Lorette. Tu as déjà dit à même la fille là de partir filmer la maison de quelqu'un. Pourquoi on voit seulement que ça, c'est la maison de quelqu'un comme Lorette a fait là. Hein? Regarde ici chez moi. Si vous voulez, je vais te montrer. Parce que tu penses qu'on vit le rêve. Je vais vous montrer. On vit la réalité. Tout le monde connaît ma maison. Certains, je vous montre. Je vous montre ma maison. Parce que dans ta tête, tu penses que nous, on vit les... Tout le monde connaît la maison, sinon... Voilà la chambre vide, là. Ce n'est pas la chambre... Regardez. Ce n'est pas la chambre vide, là, ici, chez moi. Voilà la chambre vide qui est chez moi. Tout le monde connaît la maison, c'est même la mafo. La mafo, elle demande si la maison, c'est... On vient la peine dans la ville, non? Hein? Non. Nous, on vit nos rêves. On a reçu nos bengues. La vie est dans notre main. Oui, 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 oui. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu es obligé de nous accumuler des choses que nous, on ne sait pas les faire. Que nous, on montre la vie. Il dit quoi? Que nous, on montre la fausse vie aux gens. On t'a dit qu'on montre la fausse vie aux gens. Tu sais comment on souffre pour avoir notre argent. Tu sais comment ces petites filles travaillent. Tu connais l'influence que je donne sur la toile. La panthère, c'est moi qui ai envoyé la panthère aller faire la formation. Pourtant, elle était avec toi. Tu draguais. Tu disais que tu l'aimais. Tu connais combien de femmes j'ai envoyé faire les formations. Tu connais le rêve. Tu ne sais pas comment je suis une diaspora positive. Tu sais comment. Mais c'est comment le truc, ça me sort. Le noir, un chat au visage comme ça. Like. Hein? Tu n'acceptes rien parce que tu es pauvre. Tu es pauvre dans ta tête. Dieu t'a donné une dernière chance d'amener à Mbengue. Les autres sont tombés à route. Tu as désiré que tu vas caler au Ghana dans ta tête. Voilà pourquoi tu envies. Tu nous envies. Tu es traumatisé quand tu nous vas vivre un vide. On ne vit pas la vie comme Natacha. Ça, c'est la vie de nous-mêmes. Regarde. On n'a pas attendu que les hommes nous ouvrent ce genre de choses. Moi, j'ai eu ce genre de vie en Afrique. Ici, là, on vit notre vie. Notre main, on les met en pratique, on travaille. Notre tête, la force que Dieu nous a donnée naturelle, ça fait ça qu'on travaille. Quand tu vois Tatiana tout le jour, elle fait les décors, tout ça, c'est pour montrer que la femme doit travailler. Mais tellement que tu es méchant, tu préfères soutenir Mboumkina. Mboumkina qui a fait 8 ans en Bengue sans travailler. Elle nourrit l'enfant depuis 8 ans. Moi, j'ai accouché, si l'enfant n'avait même pas encore 1 an. Je ne pouvais pas prendre les 1400 euros là parce que les dettes m'arrivaient au cou.
J'ai laissé l'enfant, j'ai travaillé la nuit. Demandez à Passo, Passo va vous dire. Je n'ai pas pris l'argent, je n'ai pas pris Motaguette pendant même 4 mois. Je vais couper la bêtise, je vais aller moi travailler. Changer à mon mari travaille le matin, moi je travaille le soir, mais la nuit. Et je n'aimais pas le travail, mais j'ai préféré parce que je savais qu'on venait à peine de payer la maison, il faut qu'on paye. En Bengue, c'est l'homme et femme qui travaillent, ce n'est pas seulement la femme. C'est pour ça que j'ai dit à chaque fois à mes copines que allez faire des formations, allez travailler. J'ai transformé beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont pris une leçon sur moi. Nous sommes là. L'enfant a grandi devant tes mains. Nous étions tous ensemble. L'oreille est partie payer son villa. Mensonge. Tu as demandé que l'oreille n'a pas les papiers. L'oreille est partie en Afrique 2 fois devant toi, 1 an. La honte, tu as fermé ta gueule. Aujourd'hui, tu sais, tu dis que non. Fais voir l'oreille, voilà. Et pas filmer la maison, le jacuzzi, des quoi chez les gens. Maman, la jalousie. C'est vrai que même les hommes sont jaloux. Donc, la femme, tu cherchais les femmes qui avaient l'argent sur Facebook. J'ai refusé qu'elle. J'ai dit que le jour que l'oreille va te regarder souvent dans les yeux. J'avais vu que tu n'avais rien dans ta tête. Tu es le seul garçon dans l'église que personne ne t'a géré. Tu n'avais rien. Tu prends tes clashs ouvertement. Parce que tu prends mes photos. Tu prends la vidéo que tu déposes à tes sœurs. Tes sœurs vont dire que la femme qui t'a clashé là, tu vois que la femme là est debout, maman. Quand je passe, on voit que c'est une femme riche. Même quand je porte les pinces et descends, ça sent sur moi. Parce que j'ai le corps qu'il faut, le corps de riche, de ça. Il faut que tes sœurs voient la personne qui te lave propre sur Facebook. T'as compris? Quand tu te prends avec une petite fille comme Laurette, qui est déjà dans des millions de dépenses, et le même États-Unis que tu dis, tu prétends dire que tu vis. L'enfant qui paye ses crédits, de 3 000 $ par mois. L'enfant qui amène deux. Vous manquez même de ressources, même au qui sur Facebook, mon Dieu. Tu as même osé, jusqu'à tu prononces, tu prends ma petite, tu déposes ton mic, tu l'insultes. Moi, j'ai déjà interdit que tu ne parles pas à Laurette. Je t'avais dit que depuis cette année 2024, je ne veux plus que tu manques le responsable. Laurette te dépasse. Laurette a dépassé toutes les finances de toutes tes familles, toute ta famille. Depuis l'existence de tes générations, il n'y a personne qui aura ce que Laurette a à cet âge. Même si le crédit, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut que tu aies le CV. Il faut que tu aies le CV qu'il faut pour prendre le crédit. Le CV qu'il faut. Ça veut dire que c'est nous qui nourrissons les Européens. Parce que quand tu prends un crédit, peut-être de la maison, ça peut. On paye tout, mais je paye. Tu penses que je paye sans gratuit? Je vais payer avec un petit intérêt. Tu as compris? Mais comme tu n'as rien dans ton cerveau, tu es bête. Tu es obligé de t'asseoir sur une petite fille. Ma tête est là et je te vois, maman, j'arrive. Tu es obligé de t'asseoir sur une petite fille. Tu l'insultes tout le jour. Tu es intimidé. Tu as dragué l'enfant, l'enfant t'a refusé. Laurette ne pouvait pas. Parce que tu n'as rien dans ta tête. Tu penses même dans la famille de Laurette, pour accepter qu'elle soit avec un bosaïe. Un gars qui a tué beaucoup de personnes, qui a jeté beaucoup de personnes dans l'eau avant d'arriver à Mengue. Un gars qui a tué tous les grâces qui ne sont pas avant d'arriver à Mengue. C'est ça là qu'on va accepter. Tu envoies ton enfant à Mengue. Tu attends seulement qu'elle a mené un grâce au Pacota. Salut mon bébé impartial. C'est ça que tu voulais? Comme l'enfant t'a refusé aujourd'hui, tu signes sur l'enfant. Je t'avais dit, prends-moi, je suis de ta génération. Lave-moi comme tu veux, je veux me répondre, je me défends. Tu te prends à un enfant qui ne peut même pas se défendre, qui ne sait même pas trop parler des histoires d'Indjapap. C'est moi qui ai formé cet enfant dans les histoires d'Indjapap. Avant, elle venait guider seulement le lèvre, et rien, voyez seulement le cœur. Où on parle quoi, elle voit seulement le cœur. Même le français, elle ne sait pas, elle parle aussi comme moi et cela. Comme l'enfant se sent à l'aise parmi nous, tu montres ta jalousie, ton aigre, tu t'assois sur l'enfant tout le jour, tu l'insultes, tu l'intimides. Tu penses que tu peux devenir ce que tu cherches là derrière cet enfant? On va arriver maintenant sur tes cibles. Regarde comment il s'est assis chez moi. Tu as vu comment il s'est assis? Hein? Quand tu es dans la maison de location, tu cries comme ça, même les voisins vont sortir, non? Je peux crier comme ça tout le quartier. Personne. Je vis dans un quartier, une des quartiers les plus riches en Allemagne. Tu as compris? Je vis dans un quartier, une des quartiers les plus riches en Allemagne. Quand je descends, les blancs ferment. Il y a même les vieux papas qui ramassent les papiers à mes voisins. Les anciens papas qui ont plus de 80 ans. Je... Allô, good morning, my friend. Ils me respectent. Ça, c'est quel genre d'Africain qui vient s'installer chez nous comme ça, avec notre fils. Tu as compris? Depuis que je suis en Europe, maman, jusqu'à partir aux États-Unis, ça m'a raté, je suis rentré. J'ai fui mon frère. Je n'ai jamais mangé mal l'argent des Allemands.
Je vous jure, je ne sais pas. Je n'ai jamais mangé la jambe des Européens. Je travaille, j'ai mangé mon sueur. Là, je suis là. Si mon mari me quitte, c'est moi qui vais payer les frais ici. Vous savez qu'on ne peut pas. C'est moi qui ai à payer plus. Et d'ailleurs, je touche plus que moi. Le militaire touche 2700 euros plus bis 3000 euros. Avec les kindergarten et tout, kinder touch là. Donc ça passe tout dans mon compte encore de plus. Donc peut-être il va rester dans un compte de 2500. Pourtant, si il touche ces petits, c'est pas les 3000, 3500. Avec les kinder touch là et tout, ça monte à 4000, 4500. Tu comprends? Tu as refusé de travailler ta tête. Tu as refusé de trouver une femme. Parce qu'une femme qui peut t'asseoir comme ça, s'imposer en bengue comme les nous. Dieu ne t'a pas donné ses chances. Mais ce que tu devais prier, que Dieu donne ma part d'enfant. Donne ma part de femme. Comme les femmes indépendantes, comme les pis-pis comme ça, les lorettes comme ça, les matés. Hein? Qui peuvent parler, les hommes respectent. Tu ne pries pas. C'est toi qui fais alléluia tous les jours sur Facebook, non. Mais tu ne décorises pas tes prières. Dieu t'a oublié. Parce que tellement tu es haineuse. Et tu t'attaques toujours à nous, toujours aux femmes. Les femmes qui te dépassent. Tu sais comment tu as fait, tu sais des choses que tu as fait sur Facebook. Tu cherches toujours de te défendre. Tu n'es rien et tu ne seras rien. Sors de ton faux profit. D'accorise ton propre côté. Qui tu es, on va connaître qui tu es dedans. Avant de parler, tu t'es attaqué à Thérèse ici. Tu t'es en profité avec le problème que Thérèse a eu avec Flore. Tu as tapé le tam-tam. Tu as dragué Flore. Flore t'a refusé. Parce que quand la base te chasse, parce que tu voulais binder tous les gens de la base, tu dragues Flo te refuse. Tu peux tuer. Le mafo yamo la nias. Quoi tout de mafo numba. Mafo mon combat. Mafo. Maman, j'ai dit kéké. Ça, c'est des quels genres de profits comme ça. Le mafo yamo la nias. Le quoi tout de mafo sang. Le quoi tout de mafo numba. Mafo yé. Ça, c'est quel genre de faux. Maman, le gars est arrivé sur Facebook avec le nom de Flo. Quand la basse le chassait. C'est quel genre de profits avec le mafo numba. Et, mais ça, on est parti aussi là-bas. La haine, parce qu'elle a dragué, on a refusé. Il faut vraiment prendre toutes les femmes qui s'attendent. C'est les gens qui se fantasment sur ça. Tu es parti chez Maté, j'ai dit, hey, l'amour, c'est qu'elle est partie chez Maté, là. En train de faire le perroquet, elle va bientôt venir insulter Maté ici. Le coq n'a pas chanté deux fois. Le coq n'a pas chanté deux fois. Tu es ici, maintenant, tu as insulté Thérèse. Thérèse qui te dépasse. Tu dis que Thérèse a bossé. Oui, elle a bossé aux États-Unis, Londres jusqu'à États-Unis. Viens te trouver, non? Tu es dans le même pays, non? Tu ne sais pas comment elle travaille? Tu ne sais pas comment elle fait des vidéos dans son travail? La plus bonne chose chez nous, surtout les influenceuses, les nous, les perroquets qui sont sur Facebook, c'est quand tu te montres d'où tu assumes ton bricole. Tu vois comment ma mère dit, elle a le charisme quand elle porte son veste, maman. La femme peut mourir. À femme pour se pendre quand il voit une jeune dame qui est dans son petit souper sans ensemble de travail de ça. Et le congrès de ça sur nous, à femme pour se tuer. À femme pour s'empoisonner. Quand elle me voit comme ça, pis, ça fait. Non, pis, c'est une nettoyée des maisons, des hôpitaux. C'est une. Et maman, la rage de ça. Ça t'est. Quand tu vois Tatiana, les décors de ça, je t'ai dit, tu as raté. Ton groupe, ce n'est pas nous. Reste avec les Flore. Ce sont eux qui ont montré qu'ils peuvent rester sans boulot en France, mais elles aussi les vivent. Mais nous, là, nous sommes dans un team de travailleuses, de battantes. Nous sommes toutes battantes. Moi, je peux encore boire le caddie de Thérèse parce que je vois cette réalité. Je bois le caddie de ma petite sœur parce que je vois tout face de moi. Toi, tu n'es rien. N'ouvre jamais ton bec. Tu manques le respect à ce groupe que tu vois là. Ou c'est moi, ou c'est Thérèse, ou c'est Lorraine, c'est Orisha, ou bien Tati. Surtout Stam Rakata. Ferme ta gueule. Nous, on te dépasse. Tu as fait grâce à ton pays parler l'anglais. Quand tu arrives aux États-Unis, il fallait courir, tu fais des petites formations, tu commences à travailler. Voilà les gens qui viennent à peine de partir aux États-Unis. Ils sont beaux avec toi, mes amis. Et travaille déjà, ils allaient faire les petites formations. Moi, je les ai encouragés. Ils allaient les petites formations de. Attends, je vais vous lire. De santé. Attendez. Mais, toi, tu es là, tu ne veux pas apprendre. C'est sur nous. Maryland Family. Voilà.
Les gens qui sont partis hier, même pas un an aux États-Unis. Il n'a même pas encore le papier. Il vit, il a parti. J'ai dit, va faire des petites formations que tu vas gagner l'argent. Il est the government of the district of Columbia, Department of Health, Board of Nursing, certificate that, certifies that, tang is hereby licensed as a home health aide. License number, tang. Issue date, tang. 2024, oui, il a eu ça le mois passé. Expiration date, 2026. Maintenant, la personne qui a donné le certificat, le directeur Ayana Bennett, de la FAB, aux États-Unis. Parce qu'ils ont vu comment j'ai mes débuts. Je les ai influencés. Ça, c'est États-Unis, chez toi. Je suis ici contre même les Américains. License in America. Il n'a même pas fait un an. Mais voilà, il a fait son petite formation. Il a déjà son certificat. Il va commencer à faire ses petites aides dans les familles. Voilà ça. Government of the District of Columbia, DC. Muriel Bowser Mayor. The mayor Muriel Bowser. Tu ne veux pas te soumise. Thank you, my love. Tu ne veux pas. Il n'a même pas encore fait un an. Mais tellement qu'il me suit. Il est parti faire sa formation. Il va commencer à faire des infirmières, des maisons, des petits infirmières là et tout. Il gagne son argent. Il n'a pas encore le papier. Je lui dis, même si c'est 5 ans, t'as, papa, t'attends, c'est même si c'est 5 ans, tu as déjà quelque chose à travailler. Tu travailles, tu es fatigué, on te donne pas le papier, tes bagages, tu rentres dans ton pays. Tu as compris avec quoi? Tu es méchant. Voilà pourquoi ta malédiction te poursuit. Tu ne pourras jamais, personne ne peut prendre tes pas. Tu n'as aucun exemple que quelqu'un va s'asseoir et dire que la femme, tu es quelqu'un. Tu t'encharnes sur une petite fille qui a mangé 5 fois par jour. Une petite fille qui, même si elle meurt, c'est dans l'avion, hélicoptère, va quitter au Cameroun. Ouh, soulever. Ouh, rentrer. Thank you, my love. C'est bien payé pour un des. Merci. Thank you. You know what I just read? I know you understand. That I read it because you are here. Okay? I read it because you are here. He did this course in America. He's not after 1 year in America as he went. Because of my head. Comme je suis parti au Cameroun là. Je suis parti faire mes dons comme ça. J'ai trouvé comme ça. Il était là derrière mes fesses, il montait derrière mes culs, il montait, il descendait, il faisait comme ça là. Maman, il était que derrière mes fesses. Il m'a soutiré l'argent. Tu connais les choses qu'on fait dans le noir? Il a fait. Il a dit que tanti, je signe que c'est toi. Je signe que c'est toi. Je l'ai trouvé. Si vous expliquez ça, vous allez rire fatigué. J'ai trouvé une seule jour comme ça dans la voiture. Il a signé, il a eu sa bénédiction derrière moi. Quand il m'a parlé, le boss, il dit, papa, s'il te plaît, ne parle pas le boss, je vais mourir, ne dis pas ça. Je vous suis souffert, je vois comment ça se passe. Il dit, la gagne, je sais, non. Mais j'ai envie de boss, il dit, quoi? C'est là, je dis, il me dit, il y a une autre manière. Il va prendre la route de Colombie, c'est où c'est? Angola, ou bien un pays comme ça. C'est comment m'a donné l'argent. Il a pris la route de la Mexique, là. Il est entré l'année dernière. Quand il est rentré 2023, là? Il est arrivé. Si vous voulez, vous pensez que je mens. Attends, je vais vous lire. Parce que vous ne connaissez pas les choses que j'ai fait chez vous. Attends, je vais lire. Ok, c'est quitté. Il a déjà sa voiture. Il a payé sa voiture de 4 000 ou bien c'était combien d'euros, une vieille voiture. Il dit que ce, quand il était arrivé là-bas, il disait que c'est qu'il est dérange seulement la voiture, l'histoire de voiture qui peut se déplacer et tout. J'ai dit, mais fais des petits bricoles. Je ne l'ai conseillé pas donner l'argent. Il dit, fais des petits bricoles. Tu payes une petite voiture, tu commences à te débrouiller avec. Parce qu'il a son permis depuis au pays. Il a payé ça. Il a déjà sa voiture, il roule dans son pays. Ah, femme et tout, je suis dans une ancienne voiture. Angois. Enfin, il te montre la voiture qui est garée chez moi. Chez moi, il y a 3 voitures. Un camping, j'avais la peine de déposer le camping parce que j'avais ça qui n'est pas à Paris le 2 novembre. J'ai nettoyé, j'ai arrangé, j'ai découvert mes bagages là-bas tout le temps, mes habits de voyage et tout.
La Mercedes de mon gars, 180 000 euros. Et puis ma voiture, la Dacia qu'ils ont venu de déposer là. Et puis la voiture de mon service. Avant, tu n'es rien, tu es bête. Tu ne peux même, tu ne sais même pas exploiter le pays où tu vis. Voilà un gars qui n'a même pas fait un an aux États-Unis. Dieu le bénit, il a suivi, mais même moi, je suis une enfant bénie. Vous voyez comment le gars là pleure. Tout le temps, quand il m'écrit, hé, hey, auntie, hé, hey, pardon, hé, hey, maman, il pleure de ça. Est-ce que je savais que quand tu m'avais vu et tout, on devait arriver à Ben. Ok, écoute. Ok, oh. Attendez, non, ça c'est un autre message envoyé. Ça c'est encore de qui m'envoie le meilleur. Vanity upon vanity. This man died. Peut-être ça c'est tout de son voyage et tout, je ne sais pas. Maman, voilà, regardez, ça c'est pas moi. Regarde, quand j'étais au boulot, je l'ai envoyé le message d'encouragement. Que va, fais des petites formations. Forme-toi. Si tu as décidé que tu as envie de faire ce que je fais, là, commence au début. Tu vas voir, après maintenant, le travail, ils vont te payer l'école. Ça dépend des niveaux des études du pays. Regarde. Ça, c'est moi. Ça, c'est pas moi au travail. J'ai parlé avec lui. Regardez. Je l'ai encouragé. Je l'ai encouragé à chaque fois. Afam, tu n'as pas voulu apprendre des choses chez nous. Parce que j'appelais, je passe, tu étais souvent ça que j'appelais, draguer le pasteur. J'ai resté toute la nuit avec pasteur. Au téléphone, j'ai travaillé. Tu as refusé, papa. Tu ne veux pas toi apprendre le travail. Tu as prévu aller écailler le poisson dans le noir. Maintenant, tu t'enchaînes de chez nous, nous, des femmes battantes, les femmes qu'on travaille. Je vis dans mon village, ma petite vit dans son village. Thérèse, là, elle vient, elle a dit, c'est mes filles, écoutez, c'est comme ça, on n'est rien. Ok? C'est comme ça, on n'est rien. Voilà mon frère que j'ai amené. Voilà. District of Columbia. Il a eu son certificat d'infirmerie. Le petit. Il va commencer à nettoyer ce petit. Travailler dans les maisons âgées et tout. Il gagne son argent. Tu refuses. Tu dis que tu ne veux pas faire H-pushing, non? Que tu ne veux pas laver les fesses. On appelle ça chez nous H-pushing. Pardon, excusez mon allemand parce qu'il mélange tout. Tu as dit que tu ne veux pas faire H-pushing. Tu vas aller cailler le poisson. Maintenant, on fait H-pushing maintenant. On gagne de jolies maisons. On fait de jolies choses. Ça te fait mal, pourquoi? Nous, on t'a demandé d'être pauvre. On t'a demandé d'être pauvre. Est-ce qu'on t'a demandé? Tu sais combien de gens dans ton pays que j'influence? J'ai beaucoup comme ça. Qu'à cause de moi, ils m'ont connu chez Tata Lolo. Ils les ont aidés seulement financièrement, mais j'ai fermé ma gueule. Beaucoup. Les banganté remplis. Maman, tu es que Bamili, tu es que Banganté. Ils sont tous en main. Ils ont marché au pied depuis au Cameroun jusqu'à arriver. Mais je n'ai jamais ouvert ma gueule. Mais quand j'ai un témoignage comme j'ai celui-ci, je suis obligée de venir parler pour que les gens comprennent. Moi, je ne sais pas si je faisais pour insulter les gens. J'ai fait beaucoup de choses positives chez vous. Le gars, s'il joue que sous mon nom, il se lève que sous mon nom. Je l'ai connu dans la voiture. Connu nulle part. Il m'a pris dans la voiture comme je l'ai payé beaucoup. Il a signé sous moi. Que maman. C'est moi et toi. Tanti, c'est moi et toi. Tu sors d'où, non? Là, commencer à parler. Maman, j'ai pris le schéma. Aujourd'hui, il est en Bengue. États-Unis. Il a 30 minutes de chez Tacoma, le meuble de Tacoma. Toi, tu es là-bas depuis des années. Toi, tu me connais depuis des années, tu ne veux pas apprendre. On était à l'église avec toi et moi, Jenny Gino, avant que tout le monde arrive. Tu me voyais comment j'ai souffert. Mais dans votre temps, on pensait qu'on est marié avec les blancs. C'est les blancs qui s'assoient et nous, on s'assoit comme vous êtes la tête, la mémoire bête. C'est les blancs qui travaillent pour nous. Je vous ai toujours prouvé que j'ai travaillé depuis à l'église. Tu refusais d'apprendre. Tu refusais de faire la formation. Tu n'as pas fait tes petits. Oui, fais. Laisse-nous en paix. Laisse mes sœurs tranquilles. Tu ne touches pas à mon entourage. À chaque fois que tu touches à mon entourage, je sors comme le lion. À femme qui derrière mon entourage. Nous ne sommes pas des tireuses de valises. Nous sommes des femmes valables et capables. J'en ai mal quand tu sors, tu insultes ma famille sur Facebook. Prends-toi sur moi. C'est moi qui est clasheuse. Ma petite sœur ne clashe pas. Ma petite sœur, elle est là, elle s'amuse, elle rit. C'est une jeune fille, elle n'a pas encore d'enfant. Elle est petite. Elle a envie aussi de se mélanger et tout. Elle a le droit d'exister. Pourquoi tu t'enchaînes sur l'enfant? L'enfant t'a fait quoi? Tu sais pas que tu peux être le père de Laurette. La jalousie de ça.
tu peux mourir. Que le jacuzzi de l'enfant. Quand tu vois la maison où le Red vit là, tu penses que la maison passe à placer derrière les petits petits et tout pour prendre les photos. Tout un villa. Tout ton villa. J'ai dit tout un villa. C'est ça là que tu appelles qu'il est parti. Elle est partie filmer la maison dans les jacuzzi des gens. Avant de payer la maison des jacuzzi, elle habitait aussi dans les jacuzzi. Que c'est sa mère qui a payé. Un parlementaire que j'étais, son nom, c'est ma copine. C'est sa mère qui a payé. Les mamans a payé la maison à ses enfants aux États-Unis. Ma petite s'est équitée dedans. Elle est partie chercher sa maison. Elle a dit qu'elle ne discute pas. Voilà pourquoi. Quand l'autre l'a été sorti faire, c'est n'importe quoi, j'ai rié parce qu'elle ne connaît rien sur l'enfant là. L'enfant est quitté, elle a payé sa part de maison. Il a payé ce qui est doublé à 4 fois la maison que les mamans a payé. Je vous dis, la mère de Lorette, c'est une femme qui est très comblée. D'avoir une petite fille comme Lorette, qui donne même les intentions à Lorette de faire de grandes choses. Sa maman est dépassée. La grâce de Lorette, la tante de Lorette, et tous sont sur Facebook. Ils sont avec là, ils commentent avec nous. Vous pensez que si Lorette était dans le petit Congo, ça suffisait qu'elle n'avait pas une vie bien, que ses parents ne devaient pas les trahir. Ne devaient pas venir les insulter. Sa tante est là. Une femme, les enfants, pendant les vacances là, il y avait 2 enfants, de gros gros enfants comme moi qui étaient chez Lorette. C'est les enfants de sa tante. Quand sa tante est partie aux vacances au Cameroun, c'est Lorette qui a pris les enfants en charge. Ok? Pendant combien de temps? Vous avez vu la nourriture que les enfants ont mangé, surtout les gros gros enfants comme moi. Lorette faisait tout, s'en occupait. Surtout, souvent, laissait le travail, laissait avec ses enfants préparés pour eux. Ça, quand je voyais, j'étais très fière. Je l'appelais, il dit, je suis fière de toi. Tu es déjà une femme en famille. Demandez-la comment je la félicitais. Quand elle avait tous ses enfants à la maison, j'étais fière. Il dit, quand je te vois, tu es avec ta petite famille, je suis fière de toi. Maintenant, tu as ta maison. Tes enfants peuvent venir maintenant te visiter, ils sont contents. Tata a payé une jolie maison. Ça donne aussi la fierté. Les enfants, t'es bénis. Que de rester chez le gens, doublé et tout, ou bien chez vous, vous êtes beaucoup, on te manque de respect. Tu n'as pas ta liberté. Tu vas payer ta maison. Tu travailles, tu gagnes beaucoup. Le loyer n'est pas de 6 000 $ par mois, le 8, ma maman. La femme qui travaille ne dort pas. C'est avec ça que tu viens insulter. Les femmes avaient de gros, gros certificats. Les enfants qui ont fait les banques aux États-Unis. Les têtes, c'est le. Comme ma petite, c'est celle qui me suit direct, l'offre. Sa tête, c'est. Maman, les têtes travaillent. Tu pars aux États-Unis, tu n'as pas le temps pour réserver ta famille et manger. Quand j'ai fui mon mari, je suis parti aux États-Unis. Et vous dites combien de fois, ma petite, vous allez rire fatiguée. Ma petite s'est quittée le matin, rentrée après le lendemain. Elle habitait un Camerounais. Le Camerounais vient de perdre son père, un Camerounais anglophone du Cameroun. Ils ont fait l'université ensemble, aux États-Unis, là-bas. Le Camerounais, c'était un militaire. Et c'est un militaire, toujours un militaire. Mais il n'avait pas le temps pour voir ma petite sœur. J'étais venu dans mes stress. Je me disais que non, on va faire la vie comme on faisait en Afrique, non. Marcher au Gabon, partout, faire le concert, boire et saouler. Moi, je ne savais pas que je suis parti tomber où. Les gens travaillent comme la machine. Elles travaillent comme la machine là-bas. J'ai dit, yeah, il n'y a pas de repos. Moi, j'ai pris mes bagages, fuis aussi, rentre-moi ici. Il dit, fais-moi quoi ici. Les Européens refusent qu'on ne travaille pas plus un travail. Tu me travailles un travail et puis un petit travail, un petit mini-job. De 5 jours, comme je fais online, mon petit travail de online, 5 jours là. Ou bien un petit travail, tu peux faire 5 jours par mois. Mais les Européens refusent, ils ne veulent pas qu'on casse le corps. Mais si tu as la force, maman, fais. Ou bien, il y a certains qui font aussi dans le noir. Oui, les hommes forts et puis les femmes fortes, les Togolaises, ils font aussi dans le noir. Après les 2 travaux, ils font encore 2 dans le noir. Je connais une. En 2021, je l'avais vu, elle a dit que oui, j'ai 4 boulots et tout. J'ai dit, waouh, maman, elle gagne le petit travail dans le noir, 1 500 €. Elle gagne le 2 mini-jobs, les 450 €. On peut dire qu'il y a 2 000 €. Mais là, elle travaille, elle travaille, elle gagne 5 000 €. Oui, tu es là-bas. Tu as la force que d'aller travailler. Tu es sur Facebook, tu cries sur les femmes. Les femmes qui ont reçu les vies. Moi, je mets là, je vais encore pleurer, quoi. C'est seulement Facebook qui va dire que. Puis si c'est mon nom, on va se reposer. Mes parents, j'ai dit à mes parents, c'est même de me pleurer pas. Parce que j'ai fait ma vie, j'ai accompli tout. J'ai payé le terrain, j'ai construit, je fais ce que toute une femme, l'enfant doit faire à ses parents. Mes petits-petits-enfants que j'ai en Afrique, là, quand ils vont grandir, là, chacun cherche sa route. Quand je veux mourir, il n'y a pas tout seul une place. C'est ma fille qui va souffrir. Et ma fille ne va pas se passer, sa vie est déjà stabilisée ici.
Donc je ne paye rien. Mais toi, tu t'enchaînes sur nous parce que tu sais que nous, on te dépasse. J'ai écouté ton direct aujourd'hui. Tu as insulté Thérèse. Thérèse qui te dépasse. Que tu faisais le djinda là-bas. Quand tu montais, j'épinglais ma main comme ça. Je faisais comme ça là. Je faisais ma main comme ça. Le djindaïsme de ça. Elle appelait Orisha quoi? L'aigle royal. J'ai ri, j'ai dit, Seigneur, le gars, s'il va toucher les gens là. Tellement les gens ne connaissent pas. Mais Orisha, je sais quand même que Orisha connaît le personnage. Orisha l'a utilisé aussi, non, pour s'en sortir. Et on a toujours besoin d'aide. Même si l'aide vient avec le CEPA, on prend toujours. Je ne pourrais jamais prendre l'aide de la femme. Je suis parti dans cette direction parce qu'il est lavé parce qu'elle faisait le pec, pec, pec. Il m'a bloqué. Tu me bloques encore. Là, tu as dit que tu peux. Tu m'as bloqué, pourquoi? Pourquoi tu m'as bloqué? Tu as peur. Quand je t'insulte, tu ne peux pas me répondre. Tu vas répondre aux enfants. Tu vas répondre aux enfants qui n'ont pas le courage pour t'affronter face à face. Tu sais que je te trouve face à face, je te boxe. Je vais te bastonner. Tu le sais. Que je prépare ton bastonnage dans mon sac quand même. Partout où je te trouverai, la femme, tu es devenu maintenant un Satan. Tu te caches le mal, tu filmes la femme. Une femme qui rentre au travail, j'ai fait le challenge de ce que tu as fait à Thérèse pour te prouver que se tient ma sœur. Oh! T'as compris? Tant qu'une femme qui est battante sur Facebook, marche nuit sur Facebook, je vais les soutenir. Parce que nous, on voit la vie réelle des mecs. Nous sommes de vraies personnes qui choquent le mec. Quand tu les filmes, tu attendais à quoi? Que nous, on va se. Contente que non. Tu les filmes? C'est ce que tu attendais. Mais quand j'ai fait le challenge, j'ai posté. Il m'a même sorti le lendemain. Il fait le challenge, il m'a dit. Je suis parti en ville avec la robe comme ça. Les cabas comme ça. Avec deux pieds, deux babouches. Je fais tac, 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 tac. Le gens me regardait en route comme ça. Il dit, oui, j'ai envie de prendre une dernière fraîche avant qu'on va fermer tout. Il voulait que quelqu'un me filme aussi, une dépose de fraîche. Comment la main que je vais m'assumer? Mais tellement que les gens ont peur de moi. Et j'étais vraiment dans les boutiques africaines. Ils m'ont dit, ils étaient contents de me voir et tout. Oh mon Dieu, ça va, ça fait longtemps et tout. Et j'étais content. On te voit seulement sur Facebook. Maintenant, maman, tu es sortie, hein, machin. La jalousie peut te tuer à femme. Laisse-nous tranquille. Nous, on te dépasse. On a dépassé ton niveau. Enchaîne-toi si tu essaies. Vous êtes venus à baigner ensemble. 20 ans, 30 ans de baigner sans réussite. Nous, les Allemands, nous sommes des Américaines européennes. Ok? Nous, les Américaines, tu ne peux pas. Respecte-toi. Voilà, Belen, Belen, c'est ma femme. Belen, Belen, c'est ma femme. Mais quand je parle avec Belen, 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 Belen travaille plus de 16 heures de temps. Plus de 16 heures de temps. Dieu t'a vraiment fermé les choses que tu n'as même pas vu une petite femme comme Belen, petit modèle comme ça, pour épouser. Une femme battante comme Belen, Belen. Donc, qu'est-ce qui se passe avec toi? Épouser une femme comme Belen, je dis à mon frère que, maman, papa, tu as la chance de trouver une femme comme Belen, Belen qui se lève le matin pour travailler 16 heures, rentre à la maison. Elle a aussi les enfants à la maison. Elle a son petit jardin qui est joli. Quand j'ai envie de voir le jardin se faire, je passe moi là-bas. Je ouvre là-bas, il y a tous les légumes là-bas. Je regarde souvent, je nettoie mes yeux. Je dis, hey, Seigneur, il va encore vivre ce genre de vie où c'est en Afrique. Les folons et tout, on avait les folons, le champ de folons et tout. Tu t'enchaînes sur les gens qui te dépassent. Qui dans ma team? Ma team n'est pas tes égaux. Tu peux encore retourner à l'église. Nous ne sommes pas pareils que toi, que vous toutes là. On vous est dépassé. Moi, je m'allie plus. J'ai décidé de ne plus allier avec les gens qui ne travaillent pas. Je m'allie maintenant qu'avec les gens qui travaillent. Tant que je sais que tu as un CV positif, je m'allie avec toi. Tant que c'est que tu n'as rien dans ta tête, je ne fais pas l'amitié. Je ne paie pas mon amitié. J'allais poster un commentaire chez Mira Cosmétique que je ne fais pas l'amitié avec les gens qui ne travaillent pas. Avec les amis qui ne travaillent pas. Maman, j'ai eu les likes sur le commentaire là jusqu'à j'ai eu peur. Je n'ai pas fait l'amitié avec les gens qui ne travaillent pas. Oui, chacun travaille son argent. On n'a pas besoin d'aide. Envoie-moi 500 euros. Mon anniversaire. Je suis malade et tout. Non. Chacun travaille son argent. Si on a envie d'aider, on peut aider des petits, tout quand on veut. Pas des appels nocturnes. Tu appelles la nuit, tu sais, moi je suis malade et tout. Non! Si chacun est libre, chacun est indépendant. Moi je veux partir en Afrique. Tu vas partir en Afrique quand?
on se retrouve. Oui, chacun paye son billet d'avion. Mais c'est comment? Pourquoi vous aimez vous profiter des gens? Tu fais la sorcellerie, tu t'encharnes maintenant sur mon groupe qui ne te cherche même pas. Est-ce qu'on t'attend? On a décidé de t'évacuer sur Facebook et par le Epanda. Tu es un gars de la base. Tu as les armes chez toi. Tu as envoyé beaucoup de armes au Cameroun. Je vais te dénoncer ouvertement. Comme ça, les autorités camerounaises vont t'attraper. Comme la base t'a déçu, tu es obligé de venir t'installer là où il y a les femmes. Tu as les faux profils. Les mafo yamo la nias. Les kouetou de mafo numba. Quelle méchanceté. Tu fais le poste de gens. Le kouetou de mafo numba. Les mafo yamo la nias. Maintenant, tu t'assois que c'est le nom de Master. Master ne t'a jamais aimé. Même quand tu perroquais là-bas. Tu es la pire des personnes. Parce que quand tu as commencé à insulter Master, même quand je vous lavais à l'église, Master n'a jamais dit que s'il te plaît, pisse, pisse. Laisse-moi, laisse s'il te plaît. Mais quand c'est pas stop, tata me supplie. Tata dit, oh, laisse maman, s'il te plaît, c'est mon frère. Parce que tata a toujours suqué. Tu étais un sépant. Ma femme, sors de ton trou. On en a mal de toi. Tu exagères. Tu exagères. Tu t'encharnes sur les femmes battantes. Tu t'encharnes sur une équipe de combattants, les femmes qui se lèvent le matin pour travailler. Parce que nous, tout ce que tu attaques maintenant, c'est les gens qui travaillent. Si tu soutiens vraiment, comme tu dis, autant de les soutenir. Tu ne peux pas clasher Maté et tu mets le nom de compresseur dedans. Tu ne peux pas clasher Orisha. Tu prends le nom de compresseur, tu déposes parce que tu as envie d'attirer l'attention de certains. Parce que dans un petit milieu, toujours chacun a son truc. Tu ne peux pas clasher Orisha, tu as insulté sa patron. Tu ne peux pas clasher Orisha, tu respectes sa patron. Que non, ça c'est ma patron, compresseur, machin, la reine des reines. Tu as oublié. Attends, il va te montrer. Wir haben viele Wiener heute und keine Reine. Haben nicht verstanden. Nein, ich habe gesagt, es ist wirklich kalt, ne? Es ist wirklich kalt. Komm denn ich schon zu Hause? Komm bitte. Ich habe immer auf dem Terrasse geguckt, dass dein Auto ist da, aber du bist nicht da. Ich finde das nicht schön, bitte. Komm, ja? Bitte. Tu es méchant. Tu t'enchaînes sur les femmes battantes parce que tu as voulu qu'on laisse les bois sur Facebook. Mais comme maintenant, il y a une équipe qui venait s'installer, les femmes battantes, les femmes qui travaillent, tu peux mourir. Tu as voulu entendre qu'on va dire qu'ils puissent tirer les valises. Moi, j'ai accepté, donc, si mon valise, non. Mais tellement que les gens me voient aller tirer mon valise dans mon travail, je suis fier. Tu as cherché à voir que Thérèse tirait le valise aux États-Unis, tu n'as pas pu. Tu as cherché à voir que Orisha, tellement que tu t'enchaînes sur Tatiana Mimba. Tatiana qui t'a rien fait, même. Tatiana qui était ton complice, Tatiana qui t'appelait précis. C'est Tatiana la première personne pour te donner le nom précis. T'es valorisé parce que j'étais niqué la race. Je venais souvent dans le direct de Tatiana, j'ai rié jusqu'à un peu tomber. Tatiana, là où tu es là, hein, maman. En tout cas, et t'a valorisé quand je t'ai lavé comme un pourriture. Tatiana t'a lavé. Non, c'est mon président. Oh, machin, des choses comme ça. Aujourd'hui, tu t'enchaînes sur Tatiana. Que Tatiana décolle est faux. Merci, franc dollar. Ça va, mon cœur? Tu t'enchaînes. Que le décor. Tu as vu les décors? C'est pas tout le monde. Chacun son style. Chacun son truc sur Facebook. Tu peux te tuer parce que quand tu vois Tatiana, elle fait des petits des maisons jolies. Elle nous apprend comment décorer nos maisons. Pourquoi tu n'acceptes pas que mon groupe, c'est un groupe de battants, c'est un groupe qui travaille. Merci mon bébé chéri. Pourquoi tu n'acceptes pas mon groupe, c'est des meilleurs groupes sur Facebook. Nous mangeons à la sueur de notre fond. Et même si tu nous laves de hier là c'était hier, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Nous, on vit la réalité. On choque notre vrai mec. Merci Franck. On choque notre main avec la sueur de notre main. Ok? Je vais te dire, à chaque fois que tu sors chez mes soeurs, je sors. Parce que vu que tu m'as fait le clash, j'ai envie de t'amener à l'esprit du beau gars. J'ai envie de t'amener loin. Je veux que tu goûtes un peu les beau gars. Ton patron t'a interdit de ne pas traverser où je suis. Tu m'esquives, mais tu touches mes soeurs. Ton pasteur, oui. Le pasteur, le jeune pasteur, là, il t'a interdit qu'il n'est pas là-bas.
Mais tu continues à t'attaquer à mes soeurs. Tu sais, quand tu attaques à ma soeur, je vais sortir. Tu t'attaques à Tata Lolo. Tata Lolo est devenu ton ami, ton égard. Tu insultes ma star comme tu veux. Moi, je ne défends pas trop ma tata à cause de toi. Parce que quand je parlais, elle ne comprenait pas. Tu dis à Tata Lolo, il ne veut pas que tu pars là-bas. Soutiens-les comme ça en distance. Tu insultes Tata Lolo comme tu veux. Hmm? Un homme qui a raté une vie comme toi, à ton âge, tu dois avoir les enfants qui plaisent à la maison. Hein? Tu dois avoir les enfants qui plaisent à la maison. Les femmes peuvent encore rester sans faire les enfants, mais quand un enfant, quand un garçon, le centre des parents, c'est des garçons. Les femmes, ce sont des qui sont dehors. Mais les garçons, c'est le cœur des parents. Toutes les mamans ont toujours besoin que les garçons accouchent les enfants. Quand tu parles, il n'y a pas des enfants qui pleurent. Tu penses que tu es quelqu'un pour venir te comparer avec les noms? Tu es en train de parler des enfants, des gens. Oh, Richard, elle c'est une mère des enfants. Elle a beaucoup d'enfants. Elle a... Hé? Ta part est où? Pourquoi? Ta part est où? Ta part d'enfant est où? Orisha a beaucoup d'enfants. Et puis ta part est où? Tout le monde a beaucoup d'enfants dans votre tête. Comme Orisha avait dit que j'ai 10 enfants ici chez moi. Depuis qu'on cherchait les 10 enfants. Tu es en train d'insulter les gens avec les mensonges. Ta part est où? Oui, on a accepté. Mais ta part est où? Ta maison ne plaît pas? C'est la maison des autres qui va pleurer? Tu t'enchantes sur ma star te doit quelque chose? Et si ma star te connaît, ma star t'a jamais connu? Elle t'a écouté parler chez Décom là-bas? Comme les mains tendues étaient toujours acceptées? Tu as le droit tout le temps, c'est son nom. Quand tu as envie d'appeler, c'est un ennemi. Tata ne te chère pas. Je suis juste un autre paradis, je ne peux pas te suivre au nom de ta. Parce que tata, elle ne veut même pas qu'on te chère. Tu n'es rien et tu ne seras rien. Je te clash parce que tu as touché à ma famille. Tu touches à mon équipe. Je ne veux pas. Ma petite sœur n'est pas ton égard. C'est une petite fille. Mais elle a réussi sa vie. Je vais partir au Cameroun filmer sa maison bientôt. Je vais te montrer. Pourtant, tu es sur Facebook qu'elle est en train de construire. Je filme et dépose. Parce que FF, c'est moi qui. Tu viens sur mon mur. Ce qui m'énerve, c'est que c'est moi qui poste la vidéo. C'est moi, c'est pas quand l'oreille. On fait les appels et tout, ou bien sur son WhatsApp, je trouve le FS, ce petit post sur son WhatsApp et tout. Ou bien on appelle après, je capture, non. Donc quand je capture, maintenant, je viens faire mes posts. Je suis venu faire le post, mais sans demander à Lorette. Comment elle s'amusait, j'étais content qu'elle s'amuse. Parce que l'enfant était malade, elle était malade la semaine. La même semaine que j'ai opéré mon fils du Cameroun, là, Lorette aussi, était aussi malade. Donc quand elle s'est récupérée, pour moi, quand je l'ai trouvé en train de s'amuser dans son jacuzzi, j'étais fière. J'étais, ah, ma petite est déjà guérie. C'est comme ça que j'ai pris la photo, moi, ici, elle est déposée. Mais le gens ne sait pas pourquoi je dépose ce point de choses sur mon mur. C'était une manière pour dire Dieu merci que ma petite est guérie, parce qu'elle était déjà dans l'eau et tout, elle s'amusait. Le sorcier vient capturer la vidéo, maman. Allez parler dans son live. Que l'oreille montre les mauvaises vies. Maman, le schéma de ça. Qu'on peut souffrir comme ça. On peut aller filmer la maison de Truy pour venir montrer. Il appelle Lorette, là, elle monte, elle sort de haut, maintenant elle te montre le jacuzzi, tu vas dire quoi? On t'a dit que Lorette, c'est quelqu'un qui... Elle est sur Facebook. On t'a dit que moi, je marche avec les gens qui ne travaillent pas, qui attendent que les hommes vont les donner tout. Lorette peut toujours rester à la maison. Sa mère, elle est déjà tout offert, toute une vie. Même au Cameroun, sa mère a ouvert toute une belle vie. Vous connaissez les maisons, les enfants des ministres, les enfants... Oui. Lorette, son père est ministre, sa mère parlementaire, l'ambassadrice du Cameroun aux États-Unis. Vous entendez avec quoi? Mais, avant, tu étais de manquer le respect à l'enfant d'un président. Je suis dépassée. Facebook, parce que j'ai amené toutes les personnes que j'ai connues, je les ai rabaissées sur Facebook. Elles jouent avec moi sur Facebook parce que moi, je suis une personne, je suis une autoritaire. J'ai mes amis trop et tout. Comme je l'ai amené dans mes bêtises sur Facebook. C'est ça que tu manques. Lorette, c'est l'enfant d'un président. L'enfant de la représentante des présidents des États-Unis dans son state, c'est l'enfant d'un président. Ou bien je mens, Orisha. Est-ce que je mens? Hein? Les gens qui représentent les présidents de haut, là, on les appelle quoi, maman? Les ambassadeurs, là, les ambassadrices, là. On les appelle quoi, c'est? On les appelle quoi, aux riches? Dis-moi, s'il te plaît. On les appelle quoi, c'est?
Donne-moi le nom. Il y a un nom qu'on les appelle. Oui. Quand ils partent défiler, ce sont eux qui ont le drapeau sur eux. Ce sont eux qu'on respecte. C'est le genre que le président a eu confiance. Voilà, le diplomate. C'est des diplomates. Voilà les noms. C'est le genre que le président a eu confiance. Trier. Amener dehors. Amener dehors que allez me représenter comme si. Et que quand vous restez, quand le président reste, comme l'envoi est office dehors. C'est parce que la confiance est office. La chose est office. Que, voilà le président. Tu pars, tu t'assois. Même Yali, quand Yali était malade, on envoyait toujours un monsieur là qui partait toujours représenté. C'est le président de Gabon qui a été représenté par par Jean Yegendo. Oui, c'est comme ça qu'on dit ça. On parle de respect. C'est le même respect qu'on donne au président. Mais monsieur le président, t'as bienvenu. Oui. Tu parles, tu te mélanges aux gens. Parce que j'ai déjà mélangé mes amis. J'ai tout rabaissé mes amis. Parce que sur Facebook, nous, on s'en fout et tout, on s'amuse. C'est pour ça que tu. Normalement, il y a les gens que je connais au Cameroun qui n'ont jamais vu le président du Cameroun. Même voir avec les yeux comme ça, là, face en face, ils n'ont jamais vu. Et voir qu'à la télévision, pourtant chez nous au Gabon, tu vois le président quand tu veux, tu tournes, tu parles à présent, tu rentres, tu sors, tu t'assois, tu manges, tu dis que tu as envie de m'envoyer tes données. Mais au Cameroun, j'ai compris qu'il est tellement que, quand ils partent, comme ils sont partis après, ils vont pas, on parle à présent comme Marguerite, crier là. J'ai rien jusqu'à dire, hein. Les autorités consulaires représentantes, c'est pour cela qu'on appelle l'ambassadeur Excellence. Thank you, Mitch. Oui, c'est ça. C'est ça, mon bébé. C'est des personnes qu'on doit les respecter. Les enfants même ne mélangent pas. Les enfants qui ont fait les universités avec des... papa, qui t'a donné l'eau? Qui t'a donné cette cardio de venir manquer de respect, ma petite soeur? Qui t'a donné ça? Tu sais comment ils prennent l'oreille comme un œuf? Tu connais mon cadeau que j'ai eu sur Facebook? Qui t'a donné cette occasion de venir manquer le respect à ma petite soeur? Qui t'a donné? L'enfant qu'on a pris comme ça, comme vous, comme ça, jusqu'à grandir, jusqu'à envoyer dans les grandes écoles, les enfants qui ont fait les écoles de grandes personnalités, de présidents, de ministres et tout. C'est avec ça que tu viens jouer sur Facebook, tu insultes. Tu manques le respect parce que nous sommes sur Facebook, nous toutes. Tu connais les parents des gens sur Facebook? Quand tu faisais tes beaux à la maman, l'oreille était avec toi. Les enfants qu'on a soulevés là-bas, wow, Amérique, wow, amené dans les écoles de Biden, amené dans les universités. Maman, c'est avec ça que tu viens jouer sur Meta. Parce que nous, on fait le fuma-fuma sur Facebook. C'est ça, j'ai trié mes amitiés sur Facebook. Hein. J'ai trié et moi-même, j'ai cherché mes amitiés, cherché ma famille. C'est pas seulement Lorette. Yeah, je sais pas, t'es pas. Celui qui venait me draguer chez Décom quand j'avais promis le mariage à Décom, c'est l'enfant des ministres au Cameroun. Celui qui m'invite au Cameroun, là, chaque fois, il est en Angleterre avec sa femme. Je l'avais invité sur le mariage du président Eboabala avec sa femme et ses enfants. Mais c'est mon dragueur, mais il s'en fout. Vous savez, nous, on vit notre vie et tout. C'est pas seulement lui. J'ai mes amis. Parce que j'ai décidé, je ne veux pas marcher avec les pauvres. Je veux marcher qu'avec les gens qui ont le nom, le titre. Tu n'as pas le titre, il ne fait pas l'amitié avec toi. Mais maman, elle ne peut pas sortir. J'ai fait une vie de grande personnalité. Elle vient me chômer avec des voyous, avec des gens qui n'ont pas de titre. Je ne peux pas. Maman, elle cherche toujours là où il y a titre. Hein. Si elle n'a pas de titre, elle ne fait pas mal l'amitié avec toi. Et c'est que, entre chez toi, elle veut m'asseoir au sol. Elle pense à ma vie avant, maman. Je ne veux pas. Elle veut m'asseoir au sol. Je veux quand je viens chez toi, je trouve un luxueuse brut. Voilà votre Brenda. L'enfant de présent, l'aurait dépassé. Brenda n'a même jamais payé même un terrain. Parce que dans sa tête, c'est déjà traversé, formalisé que je suis l'enfant du président. Vous savez, les enfants des ministres, les enfants des parlementaires, eux-mêmes ne réussissent pas. Quand je vois l'oreille s'en sortir, je suis très fier. Certains, la plupart. Tu n'es pas content de voir des gens, des enfants de hauts milieux aussi, de venir aussi chez nous, japapé avec nous, on s'amuse. Tu n'es pas contente. Tu as besoin de marcher avec les gens qui ont beau ça, papa. Yay! Yeah. Quand tu marches avec les gens, tu penses que toujours beau ça, non? Comment le poisson t'a raté? Mais quand tu mélanges avec les gens qui ont fait l'avion, là, tu penses aussi que... Hey, mais voici aussi avec les gens qui s'assoient, qui mangent 5 places. Tu te soignes psychologiquement. Tu viens te saler dans mon entourage, tu quittes ta voie.
Qui t'a envoyé que tu t'installes dans mon entourage jusqu'à critiquer mon œil? Parce que ça, c'est mon œil central. Parce que j'ai envie de l'avoir grandi devant mes yeux. J'ai envie de voir à quoi elle sera, à quoi elle va ressembler. À chaque fois que j'appelle à ma petite, je dis à ma petite, tu sais, fais ta vie au fond comme tu veux. Ne regarde pas les gens. Tout ce qui peut te rendre heureuse, fais-les. Ne regarde pas, non. Si moi j'étais une personne, si j'aimais pas Laurette, je n'ai pas éduqué à ma façon. Hein. C'est que moi, il a clashé avec Laurette. Ou bien Laurette m'a dit, la vie, c'est passé, c'est pas facile. Hein. Mais le problème, c'est que moi, je l'aime. Et puis ça marche. Elle se débrouille. Le moment que je l'ai fâche, je me fais, elle pleure, je l'énerve et tout. Mais elle ne peut rien parce qu'elle sait que moi, je l'aime. Il y a des choses que je ne veux pas qu'elle fasse. Tu viens maintenant, tu l'insultes, papa, c'est ton égard. Tu vas marcher avec les enfants des riches. Tu vas avoir le bon parfum sur toi. Tu vas toujours rester avec les pourris habits, maman. Avec les pourris, avec l'odeur de la foirage. C'est ça là que tu veux marcher, maman. Je veux, moi, la famille des riches. Je veux, moi, la famille des militaires, des riches personnes, des personnes que je n'ai pas eues dans mon entourage et tout. J'ai envie de mixer. Oui. Et pour comment m'asseoir dans la famille de Adjizé Bateba, j'ai braquelé. Maman, je m'asseoir. Et prends mon téléphone, papa, laisse mon téléphone. Je suis contente. Qu'il m'assoit avec des bonnes personnes, manger mon tour. On fait la bagarre, on fait tout là-bas, on s'arrange en route. Je suis contente. Je ne peux pas venir chez toi. On dit que tu vis à Bafoussa, on vient chez toi, c'est en quelqu'un s'en bas. Je viens là-bas faire quoi? Un racaille comme toi, qui a pris la rue jusqu'à Messi, tu es un taliban. Si je viens chez toi, je vais faire mon téléphone. Il va cacher, avant d'entrer chez toi, il va cacher tous mes téléphones en route. Ou bien je viens chez toi avec le bodyguard. Mais pourtant, quand je pars dans la famille instruite, dans une famille élevée, je pars sans avoir peur. Je sais que lui, ça interne pas, j'aurai une protecteur. Je serai protégé là-bas. Je peux pas. Maman, il peut venir comme ça souffrir, gagner ma vie. Je n'ai pas encore retrouvé avec les pauvres pour qu'ils viennent me sucer. C'est moi qui cherche mon milieu d'où je n'ai pas fait l'aide. Je cherche d'où c'est loin. D'où on ne peut pas me tuer. Je change de pays. D'où on ne peut pas, on ne peut pas m'empoisonner. Vous pensez pas faire le don au Gabon? Je peux le faire. Dieu m'a béni au Gabon, il ne peut pas retourner ses bénédictions au Gabon. Tant que Dieu m'a béni au Gabon, je dois partager ses bénédictions. D'ailleurs, ça c'était mon appel. Là où je suis parti dans mon église. Mais c'est pas dit que je ne garde pas aussi mon entourage. Je garde mon entourage. Mais je n'ai pas confiance à mon entourage. Mais les gens de dehors, j'ai confiance à eux. Et me respectent. Et me protègent. Tu ne peux pas venir faire l'amitié avec toi, à femme. Tu n'as rien d'exemple. Tu n'as aucun travail. Tu n'as aucune dignité. J'ai fait mes enfants avec les enfants riches. Toutes mes amitiés, mes vraies amitiés, c'est des enfants riches. Moi-même, j'ai fait des enfants avec les ministres. À l'époque, le père de mon fils n'était pas ministre, mais il était directeur financier d'un grand truc qui appartient à la présidence. Aujourd'hui, il est ministre. Moi, je peux pas, tu penses que nous, on va toujours... On ne sait pas dire que non. Nous sommes des femmes qu'on peut même dire que nous sommes des femmes de la loge et tout, parce qu'on a fréquenté les hommes qui sont dans la loge et tout. Mais nous, on a seulement choisi notre chemin. C'est pour ça que je souffre ici. Parce que j'ai choisi mon chemin. Tu viens te manquer de respect aux gens. Tu penses que c'est facile pour vivre avec des personnes qui sont hautes. Vous ne voyez pas comment beaucoup de personnes qui vivent avec des gens, un genre, les têtes font toujours comme pour moi parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Tu as toujours des pensées, tu penses toujours haut. Quand tu nous vois sur Facebook, pour nous respecter. Cherchez, si tu n'arrives pas à faire l'amitié avec nous, laisse-nous, on reste dans notre coin. Parce que chacun a son schéma. Même quand vous voyez Brenda Biala, elle a son schéma. Elle est dans son monde. Mais quand tu nous vois que nous sommes redressés comme ça, on s'amuse, laissez-nous l'espace. Chacun fait sa part et traverse sa route. On ne te dérange pas. Les choses que tu cherches à trouver là, c'est les choses que j'ai trouvées depuis 16 ans. Depuis 16 ans, entre la présence de moi, Bongo est rentré. Moi, si la Ekong est arrivée au Gabon, j'étais assis, j'ai taclé au Ekong. J'ai taclé Ekong. Lonely, I'm so lonely. J'ai taclé à la présidence quand Yali, quand Omar Bongo est mort. Il était assis. Moi, j'étais une des hôtesses. Je suis quittée à Meng. Je venais même à peine de me marier, mais je suis rentrée juste pour ça. Je suis une des hôtesses qui était au deuil avec mon badge. Le deuil de mon Omar Bongo. Si vous regardez le deuil encore de tout, vous allez me voir. J'étais là-bas partout. Parce que c'est le père de mon fils qui m'avait installé là-bas. J'ai taclé et con. Pourtant, j'étais mariée. Qui ne veut pas le pouvoir, maman? Nous, on cherche toujours à grimper, non? Il était qu'avec moi, il parlait l'anglais. Oui? Il était que, je dis, j'expliquais, quand les gens parlaient, j'expliquais, je traduisais tout. J'étais qu'aux côtés des Américains. Je suis femme, je mangeais dans la plade.
C'est pour ça que je n'insulte pas les politiciens et tout, justement comme ça. Même quand le Phoenix fait ses directs et dénonce, et se voit, il insulte, il ne partage pas, je pense, me dire, il y a deux sommets et tout, je quitte. Oui, même quand ça ne me plaît pas, je quitte. Hmm? J'ai taclé, et quand Omar Bongo était, et quand on fait plus d'une semaine au Gabon, et c'est moi qui étais là à rentrer, sortir, tous les sorties, c'est moi qui étais là-bas et tout, hein, et il faut imaginer déjà les femmes qu'il faut avoir de la chance qu'on nous choisit. Donc, quand vous nous voyez souffrir, c'est parce que nous, on a raté notre vocation. On est obligé de venir crier la frustration là, ici. Il y a beaucoup de choses que ce qu'on a vu. J'ai sorti avec je peux dire que c'était la présidence du Gabon, Madeleine Borancho. Vous avez entendu parler de Madame Madeleine Borancho? La femme de la Cour constitutionnelle au Gabon. Elle a fait plus de 40 ans là-bas. Il est sorti son fils. J'ai habité dans sa maison pendant plusieurs années. Au bord des mers. À la sablière. Donc, il y a des choses qu'on a touchées. On a vu beaucoup de choses. Que la mort ne peut, la mort ne nous dit rien. C'est ça que tu vois, nous, on tape fort sur Facebook. On fait boum. On ne peut rien avec nous. On a marché avec le franc-maçon. On a mangé avec eux. On a dormi avec eux. On a couché avec eux. Vous pensez que nous sommes faciles sur Facebook? Tu viens nous manquer de respect? Tu es malade. Tu connais les choses qu'on a eues. On t'a dit que nous sommes comme un bébé qui est passé, placé au bord de la route. À quoi? Pour ramasser le chinois, pour amener un bébé. Avec les enfants cotisés. Nous sommes des dignes femmes que les hommes nous aient pris comme ça, respectés. J'ai entré. Même la nouvelle cour constitutionnelle que Madame Borancho a conçue au bord de mer. C'est moi qui ai presque conçu la maison. On a mis là-bas fatigué. Oui, moi et son fils, on a fini la baisse. On a gnassé là-bas. Tu voulais qu'on... Moi, je suis une personne, j'ai juste raté, vous savez. Quand quelque chose veut être bien, ça va, tu seras toujours bien. Parce que si ma mère voulait que je n'aille pas à l'école, je ne suis pas pu, parce que j'étais un peu malade et tout. Mais j'ai reçu aujourd'hui. Ma mère dit seulement, merci Yahweh. Parce que ma vie, j'ai trouvé un homme qui m'a mis à l'aise, il était content de m'avoir, il a dit, m'a mettait à l'aise, une petite fille comme moi, un homme me paie la Murano. À quel âge on me ouvre une voiture, la Murano? De 30 quelque chose de millions. Ça m'a déjonté à la tête, maman. Les gens ont enlevé les choses sur toi. Ah, laissez-moi tout ça. On voudrait dire que c'est tout le monde qui meurt comme ça. J'ai dit que toute la constitution de Madeleine Borancho, la nouveau cour constitutionnelle au bord des mers, c'est là-bas que j'ai niaisé là-bas, j'ai baisé là-bas fatigué. On a versé le joie. On a joie là-bas. Moi et son fils fatigué. On veut parler même des chrétiens. Quand j'ai détourné Christian pour amener au Maroc, Christian Bongo, le petit frère de Yali. Vous parlez de quoi? Nous, on a fait des choses. C'est pour ça que vous ne pourrez pas me voir avec des pauvres. Quand je vais aller marcher à une petite fille, elle ne connaît pas elle, la vie que des luxes pour dépenser. Ou bien une fille qui ne connaît pas la vie, elle va peut-être dire que peut-être je suis sorcière et tout. Elle va dire que ça, c'est quel genre de femme qui veut toujours faire. Non, c'est parce que c'est le milieu que j'ai grandi. C'est mon milieu. Je peux plus, j'arrive à un niveau, je ne peux plus moi faire l'amitié avec des pauvres. Et je dis, j'assume tout le jour. Tant que je sais d'où je viens, je ne peux pas faire moi l'amitié avec des pauvres. C'est pas que je ne respecte pas les pauvres. Je respecte mon cabaret. Je respecte qui je suis. Vous pensez que des gens, toutes ces personnes ne me voient pas sur Facebook, me voient. Oh, pis, ça va. On t'a vu, Yaya. Christian m'appelle toujours jusqu'à aujourd'hui. Yaya, Christian Bongo. Il m'appelle toujours Yaya. Je connais ses copines. Même ses copines qui l'entoumba, les filles qui faisaient le bord des mers, les filles Banganté. Il m'a tout dit. Il me disait. Il y a même le mois, c'est moi-même qui partais prendre l'autre. Je partais laisser à l'hôtel, je rentrais chez moi. Je prends une de ses gauches, je dépose, je rentre. Pour moi, t'es quoi? Moi, on m'a donné tout. J'étais une fille de un décor que les hommes ne blâment. Je n'ai jamais eu un pauvre tas dans ma vie. Pas être mes petits gars que je drague. Comme je suis venue draguer des coms et tous mes petits trucs comme ça. Oui, voilà, les pauvres tas, non. Mais ma vie, j'ai tombé dans. J'ai eu la chance. Ça veut dire que je devais être qui je suis aujourd'hui. J'ai raté au niveau des études. J'ai repris au niveau de formation. Dieu m'a envoyé un king qui aujourd'hui est fier. Un ministre gabonais. Il a son enfant. S'il veut, il s'en occupe. S'il veut, il ne s'en occupe pas. Sa petite femme est tranquille. Tu ne lui déranges pas. Mais quand j'ai besoin, il dit, paye-moi le billet. Je vais venir, tu descends. Tu descends quand? Ah, Niamé, ne viens pas aussi me déranger. Il descend. Bah, il me paye le billet, je descends.
Je fais ce que je rentre. Dès que je suis capable, je prends son voiture. Je prends c'est sa voiture qu'il roule avec. S'il vient à peine de payer une nouvelle voiture, c'est avec ça que je descends à l'avenue de Quinté. Parce que chez moi, je descends, je monte. Je n'ai pas mangé les pizzas. C'est avec sa voiture. Tous ces gos, je passe et me voit. Il y a beaucoup de ces gos qui sont au bord de mer. Dès qu'il me passe, c'est dragon. Oh. Dès que je passe, il court, il va se garer devant sa voiture. C'est une femme, il descend de vitrine. Oui, ça va. J'ai emprunté sa voiture aujourd'hui. Parce que c'est un homme qui il a compris. Que puis, il y a beaucoup de secrets. C'est une fille digne d'aujourd'hui. Si elle a réussi sa vie et tout. On a un enfant. On partage un enfant. Un sale gars comme toi. Tu as manqué de respect aux gens qui te dépassent. Tu es normal. Va manquer le respect à tes parents. Manque le respect à tes soeurs qui ont raté les vies. Pas avec mon jassi. Une fille comme moi qui j'ai mangé au sol. Dieu m'a donné la cuillère. Comme ça, cuillère de l'or, cuillère en or. Je ne mélange pas avec la salité. Je ne me mélange pas moi avec la salité. Tu as compris à quoi? Je ne me mélange pas moi avec la salité. Je ne mélange pas moi avec les pauvres. Tu es pauvre, c'est toi qui ne veux pas être riche. Parce que Dieu t'a donné des naissances en menant en bengue. Il fallait travailler. Tu travailles avec tes mains. Les Européens travaillent. C'est, nous, on ne vit plus dans le monde que les Européens sortaient l'argent dans les sacs. C'est seulement le waka. Tu vas entendre le waka. Tu dis, mon gars, il m'a payé la range. C'est une bordée. Il score des choses comme ça. Oui. Et c'est toujours les chances. Parce que c'est pas tout le monde qui donne que Dieu a installé dans cette position. Ok? Pas le genre qui le waka qui peut baiser le 20 euros, le 5 euros, le 100 euros, il fatigue. Même si tu veux baiser 5 euros, baise pendant 5 ans, non? Tu laisses, non? Tu cherches le capital. Hein? Tu fais quelque chose. Pas pour rester dedans. C'est ce que je veux dire. J'aime pas mal les pauvres. L'esprit de pauvreté, fire! Je ne veux pas. Non. Donc, toi, tu es pauvre. Tu n'as rien. Tu veux comment je vais être? Je veux faire l'amitié avec toi. J'ai aimé des comptes pour passer des comptes. Vous n'avez pas vu. Dès que Décom a commencé à faire ces histoires-là, ça a commencé à me tirer un peu. L'amour descend. Parce que moi, je suis habitué de voir les gens qui travaillent, que chacun soit indépendant, chacun touche son argent. Si il commence à travailler, je vais encore me inciter. Mon client va commencer à faire tic-tic-tic. Mais tant qu'il ne travaille pas, maman, il ne suis plus moi dedans. Parce que dans ma tête, je sais qu'il ne travaille plus, il n'a rien. Il ne peut pas s'en occuper de lui. Il n'est pas indépendant. C'est ma vérité que j'ai dit. Mais si je lui vois là, en commençant encore à travailler là, il va commencer à tomber amoureux. Moi, je suis comme ça depuis l'enfance. Mon gars, mon ex, avait vu que je suis une personne visionnée, tellement que je lui fatiguais. Parce qu'il dit que t'en vas aller faire la formation, comme tu ne veux plus partir à l'école et tes parents te parlent. Tu veux chercher quelqu'un qui va garder l'enfant. Mais je t'envoie, il faut que je réarrange ton avenir. Je suis fier aujourd'hui. Je suis fier. Parce que quand il ne m'a pas épousé là, je devais faire comment? C'est mon travail là. Ça m'a donné le courage. Je lui ai donné l'honneur, je lui ai donné le certificat là. Il était là pendant ma soutien. Et mon nom, on était à séparer, hein. Mais il était là. Je me suis déjà marié, mais j'étais encore en Afrique. Je faisais déjà le cours des langues là. Il est venu pendant mon soutenance. Il m'a soutenu, il a pris les photos. Les photos sont toujours chez lui à la maison et tout. Il m'a donné une deuxième chance. La deuxième chance, maman. Quand les Européens entendent seulement que tu as fait les fumées là-bas, hey, maman, ils te prêtent des débuts sur les pieds. Ils sont contentes. Quand tu es professionnel depuis dans ton pays, moi, je suis honorée ici. Si vous savez, vous pouvez. C'est pas facile. Il y a les femmes qui sont ici et qui sont arrivées ici. Ceux qui n'ont pas fait les formations, ils sont arrivés. On cherche la formation. Ils disent, moi, je vais faire la formation. Les Européens ne les donnent pas. Vous savez pourquoi? Parce que les Européens ont peur. Que tellement que tu es déjà grand, tu arrives ici, tu es venu nous fatiguer et tout. Autant moi, tout le jour, on m'envoie le papier de Vaïta Bidon. Tout, oh ma chère, oh ma chère, oh, oh, oh. Parce qu'on sait que depuis dans mon pays, j'ai aimé ces métiers. Elles sont prêtes pour moi. Cette occasion, ce n'est pas donnée à n'importe qui. Pourtant, c'est mon ex qui m'a fortifié comme ça. Lui, il est ministre, il est traversé. Je gagne même peut-être plus que lui. Il croise son pied comme ça. Quand j'ai envoyé mon fils à Cambridge, c'est moi qui ai payé 30 000 euros. C'est pas lui, je n'ai pas appelé pour dire que bien, s'il te plaît. Est-ce que tu sais que comme j'ai trouvé des à l'école à machin, est-ce que tu peux donner aussi l'argent? Non. Mais, et qui là-bas, il n'a pas fait les vacances à Londres sans me dire. Ma père me dit que je suis parti voir l'enfant et tout. Je suis parti le voir à l'école. Tu suis pas là, tu as payé une école là-bas. Il est fier de moi. Il est très fier.
C'est ça que je dis, paie-moi le bip. Je suis un peu stressé, paie-moi lui, envie de venir voir seulement le pays. Il paye vite. Son fils finit l'école, il rentre. Il rentre là-bas, s'installer, prend le pouvoir de son père. C'est là-bas qu'il va rester. Je vais faire ma vie au Nigeria. Il va avoir les Bangalas solides. Il peut me rendre jeune toute une vie. C'est toi qui vas souffrir si tu fais souffrir. L'Ansaché va te tuer à femme. Tant que tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Tu as compris? J'ai déjà un CV. Je serai un retraité bien payé. Même si je meurs dans le foyer ici, là. Si je meurs avant mon mari va gagner mon argent. Ok? Si mon mari meurt avant moi, je gagne. Donc, je serai un retraité bien payé. Si c'est petit, je travaille 25 ans avec mon mari, je dame si c'est petit, 3500 euros par an. Tu as compris avec quoi? Nous, on ne vit pas sans calcul. Mais je ne veux pas. Je vais faire ma vie indépendante. Je vais partir en Afrique vivre ma vieillesse là-bas. Parce que je n'ai pas moi trop des longs yeux. Ce que Dieu m'a donné, ça me va. Tu es là, tu ouvres tes gros yeux comme ça, tu ne sais pas quoi. Tout, on dit que tu mets le... qui met la télévision? YouTube. YouTube fait... Attendez, je vais faire out. je vais faire comme ma femme fait. Vous allez voir la malchance. La femme n'a pas de voiture, mais la femme est dans le YouTube. Elle prend le YouTube comme ça. Moment. Car noise. C'est comme ça on dit. Oh. J'ai écouté ça dans le live de Matteo. C'est dans le live de Matteo. Comme, car noise. Sounds que na. Merci, mon bébé. Andrien, ça va, mon cœur? Mais comment la malchance? Un gars comme ça, il vient nous fatiguer. Il s'entoure de nous. Elle a décidé qu'elle ne veut plus nous laisser en paix. Il s'attaque à des petites filles. Ah, va. Je vais vous montrer comment la femme fait. Thanks for sending your old man money. Of course, the Remedly app makes it easy. Elle prend YouTube. Elle prend YouTube. Et demain. Voilà la femme. Écoute, ça c'est la femme. Là. Toujours le bruit. On entend le bruit. Voilà, c'est la femme. Pardonnez, venez, oh. Venez, oh, Richa. Écoutez, voilà la femme. Voilà la femme. Il écoute toujours. C'est comme ça. Pac, 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 pac. Vous pensez que c'est là où il est dans la voiture. Maman, c'est YouTube. C'est YouTube. Oh. Maman, je ne savais pas. C'est chez le live de Matthieu que j'ai commencé à dire, Seigneur, il faut que je pas aussi essayer. J'allais essayer, c'est vrai. C'est la femme. Il n'a pas de voiture. Il part. Quand il fait le live, il dit, attendez, attendez, je gare. Il passe sur YouTube, il clique. Car noise. Il clique car noise. Maintenant, la voiture fait, écoutez, ça fait comme si ça démarre. Ça fait comme si ça démarre, non? Voilà, ça c'est le travail de la femme. Ça fait comme si la voiture démarre et tout. Pourtant, la voiture ne démarre pas. C'est le schéma. Maman, je suis dépassée. Le jour là, j'étais à la fenêtre, j'ai éclaté de rire pour elle. Mais tu dis, hé, maman. Donc, il est souvent dans la voiture. Est-ce que je sais que Thérèse sort où avec les histoires comme ça? Ça, c'est le schéma de la femme. Un voleur. C'est comme ça qu'il nous embrouillait. Il dit, attendez, attendez, attendez. Il arrête le live. Il met le bruit. Vous pensez qu'il y a quelqu'un, il y a la voiture, oh, qu'il est dans la voiture. La femme n'est pas dans la voiture. Voilà le schéma de la femme. Le seul jour que la femme a eu la voiture, c'est qu'elle est partie emprunter la voiture, aller filmer Thérèse. Filmer Thérèse jusqu'à dire qu'il y a qui marche derrière Thérèse. Il faut que Thérèse te porte plainte parce que tu es en train de... Thérèse est dans ta main. Elle est dans ta main. Si tu veux la tuer, il faut la tuer. Elle est dans ta main. Mais sache que si tu essayes, que je... parce que toi qui marches maintenant derrière, tu es devenu son gardien. Vous savez pourquoi je suis venu ici en haut? C'était la même chose. Avant, quand je faisais le clash, quand je faisais le clash avant, trop là dans le noir,
On était en bas, parce qu'en bas, on avait arrangé, même si l'année dernière, mon mari a fait la cuisine et tout, non, ou bien 2021 comme ça, l'a arrangé la cuisine. Donc, on restait en bas. Mais à cause de mes désordres, j'ai dit à mon mari que on monte en haut. Parce qu'on monte en haut, ouais, non, parce que en haut, c'est mieux. Parce que tu fermes d'abord la première barrière en bas, tu montes maintenant le premier escalier avant d'arriver ici. Donc, Bangui ne peut pas venir ici en haut n'importe comment. Oui. La vie de Thérèse est dans ta main. Tu vas la tuer à cause de clash. Tu as décidé d'envoyer les gens, les assassins, de la suivre partout. Elle part travailler, elle rentre, elle est fatiguée. Il faut que donc, quand tu rentres au travail fatigué, il faut que tu t'habilles sexy. On t'a dit que nous sommes les femmes de tuer. Nous ne sommes pas tués, qu'on est toujours prêts pour être belles. Il y a le moment que nous sommes comme des folles aussi, de la sueur, de transpiration, de ça, les rides, de ça. Comme vous voyez, ça va les dire. Et si on regarde, on ne regarde pas tous ces trucs. Comme elle rentre fatiguée, tu peux pas la filmer. Tu voulais la tuer. Attends, tu voulais la tuer. Tu l'as filmée. Tu as déposé sur Facebook. Tu as dit que le FBI de Grenier, que je arrive à cette Thérèse, vous allez bouffer le Ndjangi. Voilà ton travail. Attendez, je gare. Voilà, il démarre la moto de YouTube. Ça fait de bruit comme si il est dans la voiture. Le schéma de ça. La femme, c'est un paiement. Tu n'es rien. Tu vas souffrir toute seule. Tu es un bordel homme. Tu es un bordel. Tu n'es personne. Tu vas mourir dans ton schéma. Tu as raté. C'est à l'église que je pensais que tu devais être quelqu'un. Tu quittes l'église sans devenir quelqu'un. Aujourd'hui, tu souffres. Tu as mal de nous voir, on a réussi. Même Jenny Gino a couché devant toi. Jenny Gino travaille. Jenny Gino a couché, l'enfant a fait un an. Jenny Gino a commencé à travailler. Elle a commencé à travailler. Parce que notre enfant grandit, même temps on a couché, même moment. Tu es très méchant, très jalouse encore de plus. Tellement que tu nous envies, nous étions tous à l'église. J'étais la seule qui faisait le vrai travail. J'encourageais, j'ai gagné ma vie et tout. Le reste aussi, il y avait beaucoup de Wakalawa, mais on a chassé le Wakalawa, on s'est installé. Moi et Ruby Glow et tout, nous les battants des femmes des blancs là, on s'est installé à l'église là-bas. C'est nous qui faisions le show là-bas. Et j'assumais mon travail et tout. Tu es méchant, la sorcellerie de ça. Tu viens t'installer sur Facebook, tu ne veux pas travailler. Tu penses que qui va venir nettoyer tes cadavres? Si tu ne peux pas aller travailler, laisse-nous. Ne t'attaque pas à ma petite soeur. Tu continues à t'attaquer à ma petite soeur, je te jure, je serai aux États-Unis, je vais te chercher. Tu veux te faire quelque chose que tu n'as jamais vu dans ta vie. Laisse ma petite sœur tranquille, ce n'est pas ton égard. Attaque-toi à moi. Quand je te touche, touche-moi. On a simplifié cette histoire. Mais c'est terrible, la pauvre. Oui! Les gens n'ont pas parlé, mais depuis que je parle de ça, j'ai d'abord fait, ça c'est mon troisième, je dirais que je parle de ça. Parce que la vie de Martha Kouma est dans sa main. C'est que vous entendez que vous l'avez trouvé Martha Kouma quelque part, moi c'est lui. C'est la femme. Elle a décidé de finir avec sa vie parce qu'elle refuse l'amitié. Elle dénonce le schéma de proxénétisme dans la main de la femme. Voilà la femme qui marche partout, elle filme Thérèse. Elle filme le gens pour déposer sur Facebook. Ça, c'est la tentation de l'assassinat. Tu veux tuer l'enfant de tuer la mère de quelqu'un. Ce n'est pas la femme qui était venue cotiser chez vous, vous étiez contente. Tu penses que le prier qu'elle a cotisé chez soi, c'est ta patronne là. Tu penses que tu peux la tuer? Et je t'appelle à ta patronne de te parler. Il faut que tu laisses Thérèse tranquille. Thérèse n'est pas la première qui a insulté. Il y a beaucoup de personnes qui ont insulté. C'est vrai qu'elle a insulté ma star. Mais c'était sa patronne. Je n'ai pas encore l'accordé. C'était sa patronne. Elle a travaillé pour Tata Lolo plusieurs années. Ce n'était pas de son droit. Mais chacun a son fardeau. On ne t'a pas envoyé de marcher partout la fumée. Si tu veux tuer, tu veux boire le sang. Chez toi, d'où tu vas aller boire le sang. Laisse-nous tranquilles. Nous sommes des femmes. On souffre avant d'avoir notre argent. On travaille dans les hôtels. On travaille les haches pouchées. On souffre. Tu veux venir nous tuer? Parce qu'on travaille. Tu penses que tout le monde qui va aller tirer les... C'est pas tout le monde qui a les... Tu peux être belle comme tu es. Tu n'as pas de chance. Tu ne peux pas aller tirer les valises. C'est pas tout le monde. Les valises, c'est bien pour les gens actifs. Tu t'attaques de mon entourage. Pourquoi? Surtout les femmes battantes. C'est nous qui sommes des femmes battantes sur Facebook. Le reste, il n'y a pas un autre groupe sur Facebook qui est comme notre groupe actuellement. Nous sommes toutes travailleuses.
Nous sommes toutes là. Tu t'attaques. Tu peux même t'attaquer avec le nous, les moi et les mata, comment et tout. Tu peux pas t'attaquer d'une petite fille, Laurette. Une petite fille, une bébé. Tu parles de sa maison. Tu parles de ses réalisations. Les mensonges de ça sur toi. Une petite fille qui ne peut pas se défendre, qui ne sait même pas le niveau, le milieu camerounais. Même le français, Mbrakata. Elle parlait que l'anglais de ça. C'est là-bas que tu es parti accrocher ton cul parce que tu voulais draguer l'enfant. Il dit à l'enfant que n'accepte jamais un Camerounais dans ta vie. Tu acceptes un Camerounais, tu as signé ta mort. Sache que le jour que tu acceptes un Camerounais aux États-Unis, là, sache que tu es déjà à la morgue. Attends moi le jour qu'on va t'évacuer au pays. Tu peux mourir. Tu as critiqué les amitiés. L'enfant avait dit qu'il ne peut pas sortir un Camerounais. Ça t'a énervé depuis ça à l'église. Tu commences à appeler. J'étais content. J'ai appelé le gars. Il dit oui, je suis très fier quand tu dis ça. Tu t'es énervé. Tu as commencé à. Tu pourrais te tuer. Tu as commencé à t'acceler, à sceller l'enfant. Personne ne t'accepte. La base t'a refusé. L'église t'a refusé. Tout le monde t'a. Même les mafos t'ont refusé. Le nom de la mafo, mafo Yamolania, c'est lui. Kouetou le mafo Numba, c'est lui. Le gros, gros nom. Il fantasme que sur toutes les femmes. Il n'a pas eu le choix. Hein. Il n'a pas eu le choix. Même la panthère, il a dragué la panthère. Je suis au courant. J'étais là. C'est moi qui disais à la panthère, je ne veux pas. S'il te plaît, je ne veux pas, maman. Comment tu dis ça? Comment tu vas aller sortir avec le gars là? Tu vas sortir avec le gars là? Le gars là, il va, mais c'est nous qui veut. Il veut gaspiller notre relation. Elle ne m'a pas écouté. Hmm? Tu as dragué tout le monde. Moi, je parle avec toi, non? Tu me faisais la courrier, oui, Rubiga a monté les talons, Rubiga a bien changé, Rubiga a fait le challenge le buton, Rubiga a fait... Maman, tu parles à une famille, moi. Maman a deux avions. Une famille qui voyait juste pour aller dormir, deux jours, et rentrer. Je fuis le temps, je ne vais pas me reposer, je rentre. C'est avec moi que tu parles que je ne considère pas l'argent comme... Tout mon argent, je mange, je bois, je saoule, je dors. C'est avec moi que tu parles. Avec moi que je n'attends pas que je garde l'argent. Je ne garde pas l'argent, maman, je mange mon argent. C'est à moi que tu viens me parler. Une fille qui a déjà ses rêves sont déjà installés. C'est ça que tu viens te comparer. Mate, elle se lève le matin. Elle crie dans. Elle part au travail. Elle montre. Même la dernière fois qu'elle est sortie, c'est présentée là. Elle était au travail. J'étais très fière. J'ai dit, je suis très contente que tu sois dévoilée dans ton poste. Dans ton poste. Elle s'est dévoilée dans son poste. C'était le visage que Pasteur avait publié. J'étais fière. C'est dans son travail. Le charisme de ça. Vous voulez insulter vieille. Oui. Tout le monde va grandir. Tout le monde va vieillir. D'ailleurs, trouvez une femme que vous dites qui est vieille là. Qui travaille, c'est facile. Vous ne voyez pas vos sœurs qui souffrent, qui dit qu'ils sont vieilles, mais ne veulent pas travailler, dit qu'ils sont vieilles. Les belles jeunes femmes, que les enfants sont déjà grandis, ne veulent pas travailler. Ils sont souffrés, ils sont en train de demander, fatiguer les gens. Mais si elle n'a pas travaillé, décide de travailler, il faut être fier. On te dépasse aujourd'hui, demain, après, demain. Cherchez ta place où tu vas insulter. Tu insultes Orisha. Elle a 100 enfants, oui. Elle a 100 enfants. C'est toi qui s'en occupe de ses enfants. Les enfants-là n'ont pas de père. Et elle a tapé le tam-tam et je lui ai dit, donne-moi l'argent des enfants. Tu n'as pas une chance. Les flots t'ont refusé. Parce qu'elle avait 100 profils, elle s'est cachée pour aller draguer les mafos. Draguer les tata lolo. Draguer les mabères, ils ont refusé. Maman, il peut tuer les femmes là. Il peut finir avec. Et lui, il me chère parce que c'est maman Naïboka. Je dors sur ton lit. Clash-moi. J'ai envie de t'amener loin comme je t'amène à l'église. Je t'avais dit que tu as quitté l'église, non? Tu penses que j'ai blagué. J'ai calé sur ton cou. Tu es quitté. Avec moi, il n'y a pas pardon, hein? Quand je signe, tu pars. Tu as compris quoi? Elle a dit que Audrey Kouali, c'est quoi c'est? Que Audrey Kouali, c'est... Afon m'a dit que Audrey Kouali, c'est quoi qu'il a... Il a publié Audrey Kouali sur sa page. Que il va montrer la photo de Audrey. Il va montrer la photo de Audrey sur sa page. Audrey, que le caméra est tourné. Oui, le caméra tourne et puis c'est quoi? Assumez-vous. Assumez-nous, les filles. Il n'y a rien dans ça. Tout passera sauf la parole de Dieu qui restera et le mystère. Qui est caché derrière Dieu qui restera. Mais nous tous, la chair, là, ça va finir.
y a personne qui mourra jeune. On va tous mourir. Il y a seulement parce que quand nous sommes dans la guerre, on s'insulte et tout. Mais en dehors de ça, il y a quoi? Il y a rien. Tout passera. Tu es juste jaloux. Il faut juste accepter que nous, on te dépasse. Tu t'attaques à une équipe qui te dépasse. Nous, on te dépasse. On vous a monté de A jusqu'à B. Zéro vendeuse de piment chez nous. Voilà pourquoi tu peux mourir. Tu cherches le femme de te donner l'argent facilement. Mais comme nous, on ne te donne pas, surtout moi, je donne aux autres personnes, ça t'énerve. Tu peux mourir, tu peux die. La honte de ça. Que, ben, et Lorraine, machin jacuzzi. Lorraine, elle est même là. J'ai vu, il y a quelqu'un qui a posté d'où elle est insultée. Oh, merci, Gloria Ngono. Mon Dieu. Merci pour le suivi. Tu m'as suivi. Merci, Gloria. Gloria Ngono. Merci pour me suivre. J'ai vu quelque chose là. Attendez. J'ai vu quelque chose. Comment boum qui n'a clashé? Ok, j'ai vu ça sur la page de Kota de Njapa. Voilà. Kota de Njapa. C'est vous qui insultez les gens. Vous n'acceptez jamais quand vous avez, que vous avez fait du sale. Vous avez détruit son mariage. Arrêtez de parler pour me savoir. Et tant qu'on veut faire du mal, elle s'en fiche des conséquences. Pourtant, c'est quelqu'un qui est religieuse. Elle appelle le nom de tel membre de sa famille qui est religieuse, qui prie beaucoup et tout. Mais les personnes intelligentes ont fini par comprendre que c'est une manipulatrice qui ne se rend pas compte qu'on voit qu'elle est dans la manipulation. Elle n'est pas sincère. Elle n'est pas sincère. Ben oui. Et tant qu'on peut, veut faire du mal, elle s'en fiche des conséquences. Pourtant, c'est quelqu'un qui est religieuse. Elle appelle le nom de tel membre de sa famille qui est religieuse, qui prie beaucoup et tout. Mais les personnes intelligentes ont fini par comprendre que c'est une manipulatrice qui ne se rend pas compte qu'on voit qu'elle est dans la manipulation. Elle n'est pas sincère. Elle n'est pas sincère. Ce qui m'énerve sur le gars, c'est qu'il appelle toujours le nom de Dieu. Ça m'énerve. Nous sommes des gens de Dieu, mais on fuit dans nos histoires. Si. On laisse le Dieu, on laisse le nom de Dieu se reposer. C'est lui qui partage les choses des pasteurs chrétiens. Là. Je ne vais pas être dans le clash comme ça et partage les choses de mon pasteur. On peut parler en passant. C'est lui qui partage le tout. Il parle de Dieu et tout. Tu vois là, hein, qui insulte. Ben oui. Quand il s'assied sur le monde. Quand on veut faire du mal, elle s'en fiche des conséquences. Ça n'a même pas fait un an, même pas six mois. Pourtant, c'est quelqu'un qui est religieuse. Elle appelle le nom de tel membre de sa famille qui est religieuse, qui prie beaucoup et tout. Mais les personnes intelligentes ont fini par comprendre que c'est une manipulatrice qui ne se rend pas compte qu'on voit qu'elle est dans la manipulation. Elle n'est pas sincère. Non, elle je ne veux pas sincère. Écouter d'abord ça. Je voulais écouter Doum Boum Kena. Enfant, tu es un gars que tu es mauvais. Parce que je cherche. Tu ne pourrais jamais un jour te soutenir. Jamais. Tu insultes les femmes. Au lieu que tu as ta propre mère que tu aimes. Et sur les enfants de ma bébé. Tu chiffonnes cette elle femme. Blasphème, elle vit à ses pieds dans Facebook. Maman Pépé, maman, Dieu si, hein. Maman Pépé est votre ses pieds dans les réseaux sociaux. Non. Du côté de Djaba, tu es fort, maman. Enfin, tu es un gars que tu es mauvais. Tu ne pourrais jamais un jour te soutenir. Jamais. Tu insultes les femmes. Au lieu que tu as ta propre mère que tu aimes. Et sur les enfants de ma bébé, tu chiffonnes cette femme. Elle vient à ses pieds dans Facebook. Maman Pépé, maman, Dieu sait. Côté de Japon, travail. Maman Pépé, elle montre ses pieds dans les réseaux sociaux. Vous avez compris? Ça, c'est ça. Tu es un gars que tu es mauvais. Toi, ma grosse, cette sapaque-là, tu te posais sur mon mari pendant 4 jours. Tu le caricaturais, tu l'insultais, tu te perds. Tu ne pourrais jamais un jour te soutenir. Jamais. Tu insultes les femmes. Au lieu que tu as ta propre mère que tu aimes. Et sur les enfants de ma bébé, tu chiffonnes cette femme. Elle vient à ses pieds dans Facebook. Maman bébé. Ça, c'est la personne. Elle est sortie, elle a fait le direct. Elle a dit, boum, qui n'a dit que. Elle se tient, enfin, parce que la femme est dans la vie. Maman,
il y a... What's wrong? What's happening? Il y a quelque chose qui ne va pas sur les... la tête des gens sur Facebook. Mboum qui n'a si... Elle s'appelle quoi? C'est la fille là. Et... Ça fait longtemps. Je ok. Laurette a demandé là. Je vais partir sur le direct de l'autre là. J'ai pas. Elle s'appelle. Ok, je connais le nom. Vous allez écouter comment elle dit non. La femme n'a jamais rien fait. Hi. Hi, babe. How are you doing? I'm okay. I don't want to show my face because I don't want him. Yeah, because I think that's what he wants. C'est ce qu'il veut. Jacques, comme il a pris ma photo sur le truc là, le jacuzzi. Maman, il a pris ça. Ok. Non, il est venu sur mon mur. Oui. Et toi, tu ne sais même pas s'il a publié la vidéo ou pas parce que. J'ai pas vu. Je t'ai pas demandé. Non, oui. Je suis allé publier la vidéo sans te demander. C'est pour ça que ça me fait mal. Justement, pris la vidéo, je suis allé poster. Oui. Donc, il a passé, quand vous avez fait le chose hier. Oui. Il est passé maintenant, c'est mon mari, il a coupé. Mais c'est pour ça que j'ai dit hier. Yeah. Et moi, j'étais un peu plus. J'étais radicale. On était tous radicales. Et je suis montée sur lui et j'ai dit la vérité. Tellement ça lui a fait mal. Il était 7h du matin ici. J'ai parti à la gym le matin. Il était 7h du matin quand j'étais en train de conduire, j'ai parti à la gym. J'ai vu qu'il était en direct. C'est pour ça que je suis venue. Je t'ai dit que la femme est en direct. Donc, je n'ai pas écouté son direct après. Donc, moi, je savais que mon nom devait être dans ces pétettes-là. Tellement on l'a framponné hier. Tu comprends, non? Oui. Il n'a pas pu digérer et il est sorti et il allait chercher. Il prend, c'est lui qui me... En fait, c'est lui qui me bloque. Il est tellement... He's pussy. That's how people say. Il est tellement... comment on appelle le mot en français? Il est tellement peureux. Tu comprends, non? Oui, il n'a pas ce qu'il faut. Il me bloque, mais il vole mes photos. Il est obsédé par moi. Il vole mes photos. Il part dans mon ancien compte avant. Il part prendre la photo d'avant et après. C'est toujours moi. On sait que non, il y a le filtre. Le jour, je n'étais pas maquillée. En fait, je ne suis pas en train de me justifier. D'accord? Mais il sait ce que nous, on a dit hier. Il me raconte des bêtises. Et les gens qui montent dans son direct, je ne pense pas que ces gens, ils ne réfléchissent pas. Mais Facebook a tellement des gens qui sont malhonnêtes. La toile est tellement malhonnête qu'un monsieur qui ne se montre jamais, mais il est toujours en train d'exposer les photos des gens. Moi, je ne peux pas partir dans un direct de quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Ses photos sont sorties, mais il est toujours en train de se justifier que ce n'est pas lui. Mais il est toujours dans le noir. Thérèse est sortie et j'ai apprécié ça, je t'ai dit ça. J'ai apprécié ça. Pourquoi tu ne sors pas? Pourquoi tu dénies que tel est bordel, tel est sale, tel est laid, tel est ceci? Mais sors-toi! Attends, non, il veut parler. Regardez l'espace, elle vit l'espace. C'est... Nous, on vit dans l'espace. Elle est bien moi, hein. C'est que j'ai froid. Nous, on vit dans l'espace. I have a central AC. Voici ma peau. Voici ça. À femme, voilà, regarde l'espace. Voilà, mes cuisses, sinon. Je fais le sport, hein. Je dis, je te mets le ndama. Voilà mes pieds. Voici ma maison, voici ma télé. D'accord? Attends, je te montre mon jacuzzi. C'est bien moi, je ne me tourne pas la caméra parce que je ne lui donne pas cette satisfaction. Attends, je porte les babous. Voilà les babous que je marche sur moi. Voici mes babous. Voilà ma cuisine. D'accord? C'est bien et bien confirmé. Nous, on vit dans les villas. Voilà mon les frigos américains qu'on se vend. Ah, femme! Je suis fière. Moi, j'ai bien ma jacuzzi. Ah, femme, viens regarder. Viens confirmer. Il est là. Voilà mon dehors. Je ne fais pas le barbecue aujourd'hui. Voilà ma maison, voilà mon espace. Et je compte construire encore de l'autre côté. Et ça part comme ça. Venez voir ma jacuzzi. Ah, voilà femme, ça. Viens confirmer les c'est vrais comités. C'est ma maison. Voilà. Envoyez les caisses, s'il te plaît. Il faut envoyer les caisses. Ma petite, elle se défend. Elle se défend. La femme veut montrer. Oui. Non, elle veut blaguer avec les femmes comme les. Nous sommes des femmes battantes. Nous, on ne vrille pas. We don't play. We are not players. Nous, on ne joue pas. Il a pris ma voiture. J'ai okay. La fois dernière, j'ai monté la voiture orange. C'est ma voiture qui est partie. Voici sa voiture. Moi, ma voiture est orange. Voici mon jacuzzi. Hein. La femme vient regarder, tu as dit qu'il faut qu'on monte le jacuzzi. On a pris les photos derrière les maisons des gens comme ça, non. Viens maintenant confirmer. Viens. Babe, can you really hold the camera well? Because it's like... Parle de même jacuzzi.
I think internet is like this table, I think, like that. Get some time. Yeah, you can go back home. It like make people okay. Voilà mon jacuzzi. Les gens qui sont partis insulter, qui a commencé à rire dans son direct. Dans son direct, là, moi, c'est belle. Moi, voici, hein, c'est moi bien. Moi, voici ici, là. C'est moi. Est-ce que la femme connaît? La femme n'a jamais vécu voilà comme ça, ça, maman. La femme, voilà femme ma maison. Jamais... Mon terrain est loin là-bas. Je peux construire encore. Voilà. Ce n'est pas comme il aime souvent. Il aime souvent. Voilà mon quartier. Je viens à la campagne. Nous étions l'enfant ensemble. Que l'enfant s'est parti payer ses villas. Hein. On était ensemble. C'est pas ce qui va filmer. Il va filmer ce que c'est bêtise qu'il va filmer. Tu viens, je te dis, j'ai le fusil. Hein. J'ai le fusil. Tu viens, voilà ma maison. Voici ça. D'ailleurs, même si la femme essaie de venir, maman, l'Américain, elle va lui sauter. J'ai l'en bas. Maman, le mari de l'oreille. Oh, oh, je dis, hein. Maman, oh, de ça, maman, la voix de ça. Le mari de l'oreille. Vous avez vu ça, non? Okay. Mais montre là, mais fais pas Facebook à couper. Je ne coupe pas, j'ai seulement mangé. C'est celui du bas. J'ai l'autre. Oui, vas-y, montre encore. Tout dans... Voilà mon dehors. Dès que tu en vas, c'est un quartier, c'est une communauté. Dès que tu. Ta carapace nous... là, tu amènes ta carapace là, ici là. On va t'arrêter ici, les niais. D'accord. Attends, je vais confirmer ça, je vais débriefer ici. La femme, tu as vu, nous on vit toujours dans les espaces. Voici, je suis. Ici là, ça, façon, on veut ça, vivre on dans ça on allume dans la nuit. Dans la nuit, on allume. Femme va dormir aujourd'hui. La femme va pas dormir aujourd'hui. La femme va mal dormir aujourd'hui. La femme vient maintenant voir. Mais ça, tu as dit que tu peux. Je n'ai même pas su. Hein? Je n'ai pas su qu'il a posté. Il a volé. Un voleur, il vole mes photos. Tu fantasmes sur quoi? Alors ça, à ma maison. La femme, regarde d'abord seulement le salon. Quand on vous parle, vous dites qu'on parle. Tu as vu, nous, on vit dans les espaces. Nous, on ne vit pas dans les bricoles. Je ne te montre pas ma chambre, mais quatre chambres. Ça, c'est la maison d'une jeune couple. 35 ans. OK? Ce n'est pas un couple qui est arrivé 40 ans. Et le mari, 34, 35. Voici mon truc ici. Là. Pas même dans la salle de striptease. Là. Tu montres, il faut que la femme vienne voir comme ça. Attends. La femme, je t'ai parlé, tu as réveillé l'oreille. Tu vas confirmer. Ça, c'est l'établissement. Nous, parce, voilà, chandelier. Je viens de mettre la chandelle. Ça, c'est mon. Voilà mes sacs en haut. You can speak in English. Yeah, that's, yeah, because you know French. Voilà ça. Voilà mon miroir. Grégo. La femme vient confirmer. L'état brut de la maison, ah. Si tu en as. Fuck. Tu as dit que tu peux, non? Ça, c'est la je ne me montre pas. C'est parce qu'il veut, je ne me montre pas. C'est belle, mais moi. Attends, je t'ai. La femme, je t'ai dit que... This is where I do my makeup, OK? Voilà mon, le pain que je veux. Je dois courir. Je suis... Ma tante m'a ramené le pain du Cameroun. Je dois courir un habit avec. Descends dans la salle de striptease. Là. Il faut que la femme voit comment je vais l'attacher là-bas. Descends dans la voilà salle. Voilà ma chambre ici. Je ne montre pas à Facebook. Je vais attacher la femme là-bas. Il faut que la femme soit attachée. On va l'attacher sur le poteau. On tire, on pique ces bangalas avec l'aiguille. Parce qu'il pense... La femme, tu as vu? Voilà. Tu vois une maison, les Américains qui vivent dans les espaces. Tu n'arrives même pas à trouver un petit chambre. A shopper. Yeah, keep out stripper at work. Mon mari n'a pas besoin de partir derrière chercher les workers. Moi-même, je fais ça à la maison. Vite, c'est bien fait. J'ai gâté la femme. J'ai gâté la femme. Vite, c'est bien fait. Et si en bas, il y a beaucoup. J'ai gâté la femme. Voilà le. Voilà, this is a movie theater. Yeah, ça, c'est la salle de. La femme vient confirmer. Ça, c'est le la salle. La salle de cinéma. Cinema. That is cinema hall. Go to I want to see the tribes. J'ai vu ta popcorn. Pour la machine de popcorn fait maison. Voilà. Tu as dit que tu peux, non? Ouais, Seigneur, il me cache où je suis. Uh-huh. Voilà mon truc, striptease. Avant? C'est ici que je fais mes. Aïe.
Voilà, elle est déjà montée au-dessus. Voilà, mon, il y a le discours. Hein. Je n'ai pas besoin. Voilà ma salle de jeu. Je me suis dit que je suis musclée, non. C'est ici que je fais ma salle de jeu. Quand je ne veux pas sortir. Afa. Où est la télécommande? Afa. Seigneur, je vais me cacher où sur Facebook. On est encore en train de faire les travaux ici en bas. Afa. Bébé, je veux seulement là où il y a le striptease, là on va attacher la femme. Oui, c'est là-bas, non. C'est là-bas qui m'intéresse. On va attacher, on va les piquer avec les piquets. Voilà, c'est ça. La femme, tu as vu. Tu as vu, non. Tu vis, j'ai toujours dit, nous sommes des personnes avec la tête très éveillée. Nous ne sommes pas tes égaux, tes enfants. Que... Elle a dit, son gars n'est pas dans la salle des striptease, dans le truc des striptease. Elle-même, elle fait ça oui. À son gars. Vite fait, bien fait. Quand tu vois les femmes qui s'assument, tu penses que nous là, nous sommes des gens qui peuvent venir faire des maman, papa, maman. Bon, voici, c'est parce que j'arrête. Vite fait, bien fait. Vite. Ça part. La femme ne doit pas dormir. La femme, donc tu as vu maintenant le jacuzzi? Comme tu disais qu'elle est partie, tu prends des photos à un jacuzzi. Moi, je veux. Le compte, c'est que moi, je veux. Hein. Il n'a même pas besoin de ça monter sa face. Moi, je veux qu'il montre sa maison. C'est tout. Non, où ça? C'est là où. Non, je sais que depuis Lorraine veut juste que tu t'es présent. Parce qu'on a envie de te piquer. Voici mon salon. Mais tellement que tu connais tes cachets. Et moi, j'ai dit que je. Où il monte, il descend. Moi et ce gars, on va courir. Oh, on va courir. Ce n'est pas ici, c'est au Cameroun. Moi-même, je lui ai dit que ton visage. Ça aujourd'hui. Si j'ai il m'a cherché. La femme. Il m'a cherché, il m'a trouvé. Quand j'ai parlé, là, je ne parle plus. Il peut commencer à. Qui fait son show. Moi, je suis en train de faire les captures d'écran. Tout ce qu'il dit, je ne parle plus. Après, on dirait, je vais souvent parler dans les autres. Je ne monte plus dans les directs pour parler. Mais je fais les captures d'écran. Surtout quand il prend ma photo, il poste, il met. Il ne peut pas bloquer. Il ne peut plus aller de ça. Moi, j'ai la copie de ça. Qui continue? D'accord? Si tu dragues une personne, te refuse. Hein? On te refuse, les filles ne veulent pas sortir avec toi. C'est obligé. Question. C'est obligé. Question. C'est obligé. Il veut pas la force, un prédateur. Hein? Tu as dragué une personne, la personne a refusé. C'est quoi? Dès qu'on parle, Lorette avant, Lorette vole, tu sautes dessus. Waris m'a lavé, tu ne sais pas que j'ai fait la paix avec Waris. Tu ne sais pas que j'ai fait la paix avec Waris. Et tu allais monter me laver là-bas. Voilà ma télé. Voilà mon salon, voilà mon hook. Je suis à la maison, je ne pars nulle part. J'ai tout à la maison, même le hook à pour smoke là. J'ai ça chez moi. Voilà ma machine. Hein? Vous avez vu? Voilà mon salon. Et puis il y a le côté des bureaux de travail. D'où elle travaille. J'ai dit. Hein? Voilà mon petit bar. Tu me veux quoi? Qu'est-ce que tu me veux? En femme, c'est un ancien succès. Elle pense que tu es de sa génération. Elle pense que tu es pauvre. Elle ne sait pas que tu es une maman. Tu dragues une personne, c'est obligé. C'est obligé. Tu n'as pas mangé mes étoiles dans les plateaux. Je ne t'envoyais jamais les étoiles à la petite église. Tu as mangé mon argent. Ouais. Tu as mangé mon argent. Ouais. Tu étais dans le noir. Je venais t'envoyer. Je t'envoyais les étoiles. Ce n'était pas ton nom. Elle Satan. Oh, Lorette, ceci. Oh, Lorette, tu voles mes photos, tu voles ma photo sur Genève. Je n'ai même pas su mon bébé que tu as posté. Ma vie, je t'aime, on parlait. Et puis, il est venu arracher ma photo. Tu me bloques, tu bloques Général. Tu me surprends, tu me cherches partout jusqu'à prendre mes photos. Tu mets sur. Parce que je ne peux pas me défendre, parce que je ne parle pas bien français. Mais pas l'anglais. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Que Merry Christmas. Tu n'arrives pas à parler dans la maison. Hein? L'intégration, tu n'arrives pas à parler aux États-Unis. Tu vois ma photo. Non, mais je constate cette histoire de Merry Christmas. Hein? Là. Voilà ça. Ouais. Voilà ça. La femme, regarde le rêve. Tu vas mes invités sont là-bas. La femme va avoir une maison comme ça à 60 ans. Il va dire que c'est le crédit, c'est donné à qui? C'est pas avant le crédit, là, tu vas donner l'argent. Oui. Tu vas déposer le caution. Et puis, j'ai appris qu'il vit maintenant dans la voiture. À femme, j'ai 5 chambres. L'autre chambre, là, j'ai fait ça pour mon walking closet, pour ma maman. Je ne sais pas comment on dit en français. J'ai fait ça, j'ai tourné ça, que ce nom, c'est là-bas où je mets ma panderie, je ne sais pas comment on dit. Mon placard, voilà. J'ai l'autre carte.
tu viens choisir, mais tu dois demander pardon aux gens. Si tu as besoin d'aide, tu demandes pardon. Si tu n'as pas besoin, tu as besoin où habiter parce qu'apparemment tu vis dans ta voiture. Tu es là, tu torches les fesses de Thérèse. Et moi, je suis sûre que Thérèse même, elle a peut-être. Mais qui va te prendre, te mettre dans la maison? Qui va te prendre, te mettre dans la maison chez lui? Nobody. Hein? Personne. Que oh, ce n'est pas son jacuzzi. Elle était toujours en train de mentir, toujours en train de critiquer les autres. Toi, tu as montré quoi? Même montré ton visage. Tous là, les gens qui te connaissent, eux, ils ont confirmé que c'est toi. Voilà ma maison. Tu vas encore dire, va faire les captures d'écran, tu mets. Et les gens qui vont te venir monter dans ta direct et tout ça là. Même ta mère là, sa maison n'est pas comme ça. Et ta non, mère là. Ta maman ne peut jamais avoir une maison comme ça. Les gens qui viennent t'encourager, les Aziz, ta maman, pourquoi les femmes là ne te mettent pas chez elles? Pourquoi elles ne te donnent pas les papiers? Ils n'ont rien. Voici le chez moi. Ça, ma maman n'a pas une maison comme toi. Jamais. Quand tu es venu, toi, tu sais que tu dis ma vie. C'est toi qui dis ma vie. C'est toi qui dis un peu. Les gens ne me connaissent pas. Je vis ma vie cachée sur Meta. Je n'ai jamais dit. Je vis ma vie cachée. Mais le peu que je connais, ma famille connaît ça. Tu sais. Le peu que je connais parce que je me défends. Ma famille connaît ça. Ma famille est là sur Meta. À parmi mes amis. Oui. Et d'autres. Même que j'ai dit que non, désabonnez-vous, ils n'aiment pas que je me montre sur Facebook ou je montre mes choses sur Facebook. C'est forcé qu'on te bat, tu suis la personne, tu suis les filles qui t'ont barré. Lâche-nous. Tu n'es pas de notre genre, tu ne t'assumes pas. Et on veut que tu changes. Tu dois changer. Fais les captures d'écran maintenant. Tu peux poster que ce n'est pas sa maison. Il en a zout. Ce n'est pas sa maison. Oh, elle vit peut-être avec un white. Voilà, ça serait son direct. Elle dit avec un vieux blanc. Tu es malade. Oui, tu sais qu'ils ont toujours des mensonges là. Tu ne comprends pas. C'est qui va prendre? Qu'elle a trouvé un vieux blanc. Je paye mon argent, j'ai payé avec mon mari. Mon argent, j'ai payé avec mon mari. Ce n'est pas qu'il a acheté. Moi-même, ma mortgage is my name and his name. J'ai compris, nous sommes des femmes battantes. La femme peut se tuer. Quand elle nous voit comme ça, elle dit qu'elle est mon groupe tout reçu. On vit j'ai des copines américaines qui cherchent même les hommes africains. Si c'était le genre qui dit que non, voilà mon frère ici, là, non. C'est le genre-ci. Tu ne peux même pas présenter à ta copine. Yeah. Parce qu'il y a les noirs américains, c'est là qu'ils aiment, surtout nous les Camerounais. Ils veulent les hommes. Si c'est que ces problèmes de papier. Mais tellement, ils ne veulent même pas se démonter. Dès qu'on nous a dit hier que son pasteur Tondela est venu le rencontrer ici aux États-Unis, il n'a pas pu. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que ce garçon, pourquoi il se cache. Pourquoi? Tu sais, il ne s'assume pas et tout, la frustration et tout, la souffrance, tout l'histoire des sang Kaolola, ça lui mais traumatise. Laisse la sorcellerie sur Facebook. Arrête, il est sur Tatiana, il est sur moi, il est sur Stambrakata. Stambrakata a commencé le combat là depuis. Le gars ne veut pas. L'église, lui. Et attends, tu sais qu'il t'insulte, il nous insulte à cause de Stambrakata, hein? Mais c'est ça, parce qu'on lui a pas voulu le soutenir. Oui. Il veut nous tuer. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle publie les photos. Elle publie Stambrakata, insulté que Stambrakata, c'est une boubouta balée, une belle fille ronde. D'où on parle en courage, comme je l'ai ayé. Je ne voulais pas voir le gars, là, j'ai toujours dit. Quand il a publié l'enfant, j'ai dit, évite ce garçon. Je connais bien ce garçon. Quand notre copine est partie là-bas, oh, il dénonce notre amour. Oh, il fait ceci, j'avais dit que pardon. Ne pars pas là-bas. Il a publié la pauvre dame. Tu t'es. Moi, je voulais te dire que depuis que tu parles de moi, là, je dis que j'ai les amitiés jusqu'à... Les gens m'envoient les amitiés pour voir même qui est Loretta. Je te jure. Donc, tout ton bavardage, là, ta salive, là, les gens viennent, on m'envoie les amitiés. Donne accès. The thing is, la toile est tellement malhonnête. Yeah. La toile est tellement... Et c'est ce que je n'aime pas. Et c'est pour ça que je dis que tu es ma personne. Nous tous, là, les filles, là, je suis avec,
Faska, Bakata, Orisha, Matt, je dis que nous sommes parce que la tête est malhonnête. Yeah. Parce qu'un individu, je ne peux pas suivre quelqu'un qui est dans le noir. Quelqu'un qui ne se montre pas, il ne montre rien. Challenge passeport, il a parlé si je n'avais pas les papiers. Je suis sortie. Je suis on a dit Camus. Challenge, il n'a je même pas le passeport. Je parle toujours Camus, ce n'est pas que je n'ai pas... Je parle toujours Camus, je ne poste jamais mes photos. Et ma Instagram, I have it. I have pictures. I put more stuff on Instagram than WhatsApp. You know that. Yeah. That's where you see my stuff. But Facebook, I don't like to put my picture there because people are evil. Yeah. You understand? I don't like to put my life there. Et c'est parce que ce sont les individus comme ça. Et il y a d'autres qui viennent. Et je sais pourquoi je reçois les amitiés là. Parce que les gens veulent, tellement ils parlent mal de moi, les gens veulent voir même le personnage. Je ne suis pas faux profil. Quand il met les photos, et ça ne me gêne pas, moi je ris parce que j'ai les abonnés, les gens qui viennent me demander l'amitié. Et ce sont les gens qui sont honnêtes, qui veulent voir. Et les gens qui savent que c'est un menteur. Tu comprends, non? Oui. Oui! Aujourd'hui, là, j'ai eu 3. Et j'ai accepté. J'ai accepté. Et il est fou, je suis dans son direct en faux profil. Quand il me croit, je ris. Quand il me croit, je ris. Il met même les commentaires, je ris. Il est tellement... Il voit le nombre, le chiffre, les gens qui sont en train de commenter, il ne sait pas. Je suis dans son faux profil. J'ai des faux profils avec lui. Il m'a bloqué partout. Il a signalé moi aussi, mes. Il me retrouve, oui. Qui m'a encore bloqué. Il m'a signalé mes comptes. Hier, je t'ai dit, hier, je ne pouvais pas entrer chez Tatiana. Il a fallu que je change un autre compte pour aller pour entrer, pour le laver. Et je ne lui ai pas clashé. Je lui ai parlé sévèrement. J'étais vraiment, vraiment. Je lui donnais même les conseils, mais ça l'a pioncé où dans son cœur là. Il est venu aujourd'hui. Afam, mets-toi à la caméra. Arrête de poster. Je ne suis pas un faux profil. Tes machines, tes photos là, tu n'as mes photos d'avant et après, tu n'as pas pu manipuler ça. Mais tu veux montrer, je ne fais pas l'onjansan, papa. Je ne fais pas l'onjansan. Voilà, je te montre. Voilà ça, voilà mes poignets. Voilà mes comme poignets. Je me suis bébé. Coulée ici là l'autre jour. Le bébé au lait. Ça, voilà mon poignet. Je ne fais pas l'ongeance. Ça, c'est mon bébé au lait. Comme je travaille à l'hôpital, je ne fais pas les ongles. Bébé. Voilà. Ça, c'est mon bébé. Voilà ça. Je ne fais pas l'ongeance sans papa. Voilà mes pieds. Je ne fais pas l'ongeance sans. Tu sais que elles aiment, tu vois, comme elles aiment les femmes qui sont claires là et tout. Tu n'as pas vu que voilà valoriser la femme de la Belgique. Vous voyez ça? Vous voyez la cuisse là? Regardez. Travailler. Ça, c'est Michael Jackson. Je vous ai dit. Je fais le sport, papa. On donne. J'ai porté la culotte, mais je ne montre pas. J'ai mis le pull en haut. Tu as vu comment les cuisses sont travaillées? Mes pieds sont travaillés, papa. Mes pieds sont travaillés. J'ai vu qu'on va se battre maintenant. On va prendre trop de poids. On va attacher la femme. Regarde. Voilà le seul truc qu'on va lui faire. Je porte la même pointure que toi. Je porte le 32. Voilà. Mais moi, je te dépasse. Afam porte le 32. Je te dis non, je le dépasse. Il porte pointure 29. Moi, il porte le 32. Afam, tu n'as pas... Cherche un autre groupe. Pas mon groupe. Je ne sors pas en caméra. Je ne mets pas ma photo. Je ne mets pas ma face ici. Je ne mets... C'est ce que tu veux. Pour que tu fasses encore. Fais la capture d'écran si tu veux. Va dire que je suis mariée avec un vieux père. Ça ne fait rien. Mais sors ta part. Oui, même si je suis mariée avec un vieux père. Sors ta part, envoie. Sors ta maison. Tu es parti. On a dit que va chercher la voiture. Tu allais mettre le YouTube. Pourquoi on commence à croire que tu es en train de conduire? Ouh, maman, YouTube, c'est nous maintenant. Attendez, vous allez écouter. Voilà, enfin, dans sa voiture. Je ne te montre pas ma face. Tu as menti. Je ne te montre pas. D'abord, pour que je te montre ma face. Ça, c'est affamé. Il passe sur YouTube, il prend le bruit des voitures et tout. Il fait comme si, attendez un peu, il ne peut pas mettre comme ça. On va dire que non, lui, il est dans la voiture. Pourtant, c'est YouTube sur nous. Quand Marta a exposé cette histoire, il fallait me tuer de rire. Elle a, je n'ai jamais, je ne savais pas que c'était. Oui, c'était c'est elle qui nous fait. Elle m'a dit, ça. C'est elle qui nous fait comprendre cette histoire de bruit. Je dis, hein? Donc, il y a quelqu'un. Les gens qui s'assoient dans les voitures, elles font bouh, comme s'ils sont dans la voiture. Mais, femme, tu es faux, maman. Pourquoi yeah. Tu me suis? Général, ma grande soeur, elle poste ma photo. Je n'étais même pas au courant que tu as posté une vidéo comme ça. On s'amusait.
tu m'as, comme tu as dit, j'étais malade la semaine. Non, attends, je vais t'expliquer pourquoi j'ai posté la vidéo. Puisque comme tu étais malade la fois dernière, donc j'attendais que tu te récupères et tout. Je voulais voir que, tu sais, quand tu poses souvent tes photos, je capture, non? Oui. Donc, quand tu as posté une photo que je vois vraiment que tu es en santé, tu vois, tu es déjà bien et tout, tu étais déjà dans ta jacuzzi, tu t'es mettais à l'aise, je t'ai écrit, je dis, bébé, tu es très belle, je suis fière que tu as encore récupéré, mais tu ne savais pas qu'elle prenait la photo directement sur mon mur sur Facebook. Il allait vous. J'ai pris la vidéo. Ce moment, je ne savais pas, excuse-moi. Non, c'est pas. Tu ne vas pas m'interdire, ne pas. Je vais te montrer. J'ai pris la vidéo direct sur mon mur. C'est après que la femme est venue dormir, il dort lui que sur mon mur. Il est arrivé maintenant, il a décortiqué la vidéo là. Que voilà l'oreille là, avec les jacuzzi, déjà il n'est pas filmé. Yeah! Il a le cœur. Et on a entré dans les jacuzzi des gens qui sont là. Et tellement il n'est pas intégré. Il n'est pas intégré, le garçon. He's so stupid. The thing is that he's worried about people's life so much that he needs to worry about his life. He's a fucking loser. He's a loser. Yeah. He's a fucking loser. You cannot just so you can't be preoccupied in people's life that you don't realize your own life is not there. Like your life is, you know, he live like a fucking monk. Yeah. Tu connais les gens qui sont dans les temples des Égyptiens, des Japonais là, les gens qui sont trop éloignés de la civilisation, des gens comme ça là, qui vivent dans les temples là, ils ne sont pas. Ils ne sont pas en connexion avec en contact avec les gens comme nous là, non. Ils sont un peu, I don't know how to say, but I know they call monks. So he lives in America. Yeah. That's what I'm saying. Il n'est pas intégré. Il n'est pas intégré. Et il, toujours en train de parler les choses de l'Europe. Mais j'ai ta vie ici aux États-Unis. Même l'anglais, était fermé, il n'arrive même pas à parler l'anglais. Il insiste, nous insiste que nous, on ne parle pas le français. Est-ce que nous, on vit dans les pays français? Je demande les internautes de général, depuis que je parle français, là, vous ne comprenez pas mon français. Qui c'est? On te comprend bien? C'est lui qui parle. I have my days that I forget. I live with an American. He doesn't speak English. I mean French. So I speak French at work. I have patients. I work in a hospital. I have patients. I have to speak English. All my patients, I speak English with them. So the time that, and then the little French that I speak, when there's a patient that speak French, and they want me to go to the patient's room, sometimes I tell them, my French is not that good. Le petit français que je parle, je me débrouille au travail. Yeah, quand il y a des patients, I always tell them that. Ils parlent français. Mais je parle anglais all day. Que le français n'est pas notre priorité, et on s'en fout, moi je suis tout le monde. I came here when I was little. Je parle français parce que c'est pour ça que je suis sur Facebook. Moi aussi, j'apprends le Congo ça. Je n'étais pas chez les Camerounais. J'étais chez les Américains. J'ai poum là-bas. Et la personne qui m'a fait venir chez les Camerounais, c'est Décom. Et c'est pour ça que je l'aime comme ça. Parce que la COVID, on était à la maison. C'est comme ça. J'ai toujours dit ça. Que je suis décomée. Même quand je pars, je reviens. C'est là-bas où j'ai commencé. Et c'est pour ça que j'aime. Et c'est pour ça qu'ils me détestent. Parce que c'est Décom. J'ai choisi Décom. Oui. Décom nous a tiré à la petite église. La femme a mangé mes étoiles. J'envoyais l'argent à ce mec. Donc lâche-moi les baskets. D'accord? Leave me the hell alone. Et je dis que la personne qui me donne son adresse, I don't know what I'm going to do to the person, but you would have something. I will give it to you personally. La personne qui me donne son adresse, ce n'est pas ce qu'il a fait qu'il a filmé Thérèse derrière. Moi, je vais venir en face avec lui. Moi, Thérèse, qui peut nous capturer le gars là? J'ai dit que je serai en face. Moi, je le fais. Un déco m'a dit ça l'autre jour. Il a dit ça hier. Que non, le papa. Mais je sais que tu vas faire ça. J'ai dit que quelqu'un me donne l'adresse. J'ai dit que mon mari arrête mon sac. C'est moi qui vais l'affronter. Je vais le taper. Comme un serpent. Je vais le taper comme on tue un serpent. Tu as compris, non, femme. Nous sommes des femmes avec les muscles. Cherche son adresse. Va chercher ta place là où il y a les femmes. Laisse là-bas. Là, you want to see? My gun again? Yeah, show it so that he's gonna see. I know. No, I'm not doing it to make him afraid, but I'm telling him that he cannot just walk in my house. He cannot. Okay, he cannot. And I don't want Facebook to block. I have one downstairs, but I keep the others in the safe. This is one is just for, you know, in the, you know, because this is it. Y'all see it?
Mon pistolet en haut. Ça, c'est le bas. Seigneur, j'avais voulu. Et je voulais entrer dans la mer, hein, à moins d'un comme ça, là. Après mes études, je voulais entrer dans la mer. Oui. Et j'ai toujours le temps. Chez nous, ici, là, par la mer. Pour entrer dans la mer, le dernier, la dernière année, pour entrer dans la mer chez nous, c'est ça transition. Non, je te dis, mon nom est toujours là-bas. Je voulais faire une formation pour entrer à la mer de l'air. Et c'est pour ça que j'ai le comportement des garçons. Je voulais entrer dans la mer de l'air. J'ai formé la femme, t'es voilà. Tu viens chez moi, je te découvre avec les matchs. Celui-ci, c'est en bas. Au lieu de monter loin pour aller chercher son coffre, j'ai un en bas. Aïe, pardon. La femme, tu vas bouffer ton jaggi. Et tu vas, on va t'attacher. Chez moi, il y a une longue machette qui t'attend. Moi, je suis... Et du coup, il faut qu'on me pop. I want his address. Somebody give me his address. Je veux quelqu'un qui me donne son adresse. Et je ne parle pas avec ça. C'est avec les mains. Je vais le taper comme on coupe un serpent. Je vais le taper. Parce que c'est le genre là qu'on doit faire ça. Il ne va plus ouvrir sa bouche. Tu m'étends. Maman, ça, c'est la seule. Je dis que janvier, février. On part chez Afrique. Je demande ma voiture. Dieu, mon mari demande la voiture. Je suis à côté de lui. Dès que je vois. Et partout est bongé. Je suis en train de te dire. Partout est bongé. Tu as l'adresse de la femme. Donne. Je sais quand on va l'attaquer. Les Camerounais m'ont dit qu'on a fort à rapatrier quelqu'un. Mais on sera chez toi en février. Mets ça déjà dans ta tête. Que je serai là. Ils viennent prendre l'oreille, on vient chez toi. Même si l'oreille dit, je viens tout seul. Je vais te combattre. Je vais, oui, moi, il faut faire ça. Parce que ce qu'il fait là-bas, il est déjà, il part, il entre, il fume les gens. Et il fume Thérèse. Et dès qu'on a tiré notre attention hier, hein, il a fumé tellement, il a peur, il ne voulait pas que Thérèse le voie. Il a fumé Thérèse de derrière. Au lieu de venir affronter Thérèse, moi, je vais venir devant ta face avec ma caméra. Je vais te demander. Mon mari, il va filmer. Il va filmer. Moi, je vais demander qu'est-ce que tu me veux. Parce que je lui ai dit ça. Je lui ai parlé de ça. Qu'il y a un petit bangando là, ici, sur Meta, qui ma mère. Et je suis là. Je suis en train de me défendre. L'autre jour, il m'a vu parler. Il m'a dit c'est, il y a même qui. Je dis que non, laisse-moi. Je suis avec mes soeurs. C'est comme ça que je vous appelle. Je l'appelle. Tous les Tatiana et tout ça. Il connaît toutes les filles là. Que je suis avec mes soeurs, tu m'étais, il y a un gars là qui ne fait que nous harceler. Et je lui ai posé la question, excuse-moi, vrai Américain, Américain n'est pas des perchettes là. Il a des femmes qui... Lorraine vit avec un combattant. Nous, on ne cherche pas le gnoc, gnoc, gnoc. On ne cherche pas les vieilles veines, les hommes qui sont déjà faibles là. Nous, on cherche les jeunes. Il est le... Mon mari a 35 ans. Il est vieux plus que mon mari. Oui. Moi, j'ai 30. Oui, je lui ai dit ça. J'ai dit que toi et ton mari, vous n'arrivez même pas à 40 ans. J'ai dit à la femme, parce que la femme pense que nous, on est là pour venir pousser les vieux pour récupérer les biens. Nous, on refuse de partir avec le cadavre en Afrique. Moi, quand je voyage avec mon mari, tout le monde regarde l'aéroport. Merde, quelle femme avec un beau monsieur. J'arrive en Afrique. Quand je fais les vacances avec mon mari, l'aéroport peut se casser. Mon mari a d'abord un charisme qu'il ne fait même pas. Le longueur de ça, le tatou. Mon mari est tatoué comme le chimpanzé. Quand il est devant, ah, moi je suis derrière. Moi je suis tatoué aussi. Hein. Moi je suis tatoué au pied. Toutes mes pieds comme ça, je suis tatoué. Oui, au bras, mes fesses. Moi et mon mari. Regarde ma main, je ne fais pas le. Regarde ma main. Voyage, on voit des beaux, très jeunes couples. Même c'est différent. Mais tu vois une fille, jeune fille avec trois enfants blanches, le père est déjà comme ça. Hé, hey, c'est quoi ça? Maman, parce qu'elle ne veut pas travailler. Mais c'est ça. Nous, on a cherché nos générations, on grandit. Mon mari a 45, j'ai 40, bientôt 40, je viens mon mari. Nous, on travaille, on construit notre vie. Nous, on ne veut pas la facilité. Il ne veut pas, il ne veut pas quitter sur moi. Il ne veut pas quitter sur moi. Et je ne suis pas en train de pleurer. Le problème, c'est que quand lui m'a... Je vais manger bien mon jangui chez toi, mais tu vas me voir devant toi et je vais, mon mari va prendre la photo parce que je lui ai déjà dit et je lui ai dit pour l'affaire du terrain, il a dit que jamais il ne doit, on ne filme pas les gens, que la fille là, j'ai dit qu'il y a une soeur camerounaise et tout, il a dit que jamais il doit porter, même si ce n'est pas criminel, hein. Thérèse can sue him so yeah. She can get money from him, yeah. So even though he doesn't go to jail, it's not a criminal thing, but Thérèse can sue him and get money that he doesn't fucking have.
Do you understand? He said he okay. Money, you know. Even though they're gonna say it's social media, but like to compromise it, like you know, for people to have an agreement, he had. Il doit dédommager Thérèse. C'est comme ça. On ne filme pas les gens comme ça. D'accord? Elle n'est pas une célèbre, elle n'est pas genre influenceuse, elle fait ses directs. Et la bonne, et la pauvre dame, elle est rentrée de son travail. Pendant ce chien-là, tu torches ses fesses. Donc, mon mari a dit que si c'est comme ça, on va aller. Si tu es là, général, on va aller. Il va j'ai dit filmer. Que février, j'ai il va filmer. À femme, je te jure. Tu montes ton visage, tu peux. Tu montes, ton... tu descends. Comme ce n'est pas ici, là. C'est ta famille au cacher. Pays. À femme, février. Tu vas montrer ton visage comme moi, comme ça. Parce que tu vas me trouver devant ta c'est porte. Ce que, oui, c'est ce qu'on doit lui faire. C'est ce qu'on doit lui faire. On doit lui faire la même chose. Et on doit faire à visage découvert. Dès qu'on l'attrape, on fait le live. Le peuple, son peuple va lui voir. En plein live. Tu vas comprendre que nous, on, nous sommes prêts. Tu es très c'est, méchant, très jaloux. Il est très méchant et c'est tellement... Mais, je dis, la toile est tellement comment on appelle ça, malhonnête. Les gens qui le suivent, elles sont en train de rire. Je vois les Aziz à Maria. Une vieille femme comme ça, là. Tu ne peux pas lui dire qu'arrête d'insulter les petites filles. Arrête de faire ceci. Et lui, non, il se défend que non. Oh, on l'insulte depuis. Qu'est-ce que tu as fait à Tatiana? Qu'est-ce que Tatiana t'a fait? Tatiana t'a élevé. Orisha t'a élevé. Thérèse, tu as volé. Tu es partie chez Thérèse. Tu as couru. Quand tu as chassé à l'église, tu es partie chez Thérèse. Tu étais là-bas dès que Thérèse faisait ses directs. Toujours un opportuniste. Thérèse faisait ses directs. Tu annonçais ton direct là-bas pour que les abonnés de Thérèse viennent dans ton direct. Finalement, là, on a découvert ça. Tu insultes. Aujourd'hui, tu insultes Thérèse. Tu n'as même pas honte. T'as pourtant, pas honte? C'est des gens qui sont partis soutenir Thérèse, ils ont resté sur sa page. Hein. Dieu merci, la page là. Mais c'est ça. Mais c'est ça. La page là. Qu'est-ce que tu fais? La page là est signalée. Elle a moi, voici, la... voici mes cuisses, papa. Voici ça, voici mes pieds. Tu elle a tout ça. La compagnie de Thérèse. Parce que c'est lui qui était star. Est-ce que jusqu'à là, les abonnés, c'est lui qui était star? Parce que Thérèse n'était pas connue sur Facebook. Thérèse a classé pour élever ses petits maupions. Un chien comme ça, voilà. Qui ne reste pas les femmes. Qui... Tatiana, voilà Tatiana qui fait les directs depuis. Elle a déjà les vues. Elle a déjà les abonnés. Il est là. Méchanceté, à cause de la méchanceté. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais pourquoi il se cache? Non. À cause de l'histoire de la base, comme il partage les armes. C'est à cause de ça. Il partage les armes au Cameroun. C'est ça qu'il ne veut pas. Donc, tu es tombé sur une bonne personne. Donc, c'est toi qui salues le président ici. Tu es tombé une bonne personne. Hein? C'est... Tu es tombé vraiment sur une bonne personne, moi. Oui. On va lui faire ça du. On va l'exposer. Donnez-nous l'adresse de ces petits moupions. Patou est bongé. Donne l'adresse de la femme. Patou est bongé. Donne la femme. Tu as l'adresse de la femme. Arrête de le couvrir. Moi, je vais causer avec lui. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il me veut. C'est pas parce qu'il m'a filmé. C'est pas parce qu'il Patou m'a posté. Patou va cacher et bon, à femme jusqu'à. Patou est bongé. Lui-même, il est comme ça. C'est ton ami, non? Oui, c'est mon ami, mais il va cacher jusqu'à quand? Je ne sais pas pourquoi Patou les cache. Mais ça ne fait rien. Il va cacher. J'ai appris quand il avait appris que je suis venue à Washington dans son ancienne adresse pour le chercher. Voilà les choses. On est parti lui mettre la puce que je venais le chercher. Je t'ai loupé la fois dernière. Je dis que tu montes, tu descends, à femme. Tant que tu vis ici, là, dans ce pays, tu montes, tu descends. Continue avec mon. Je ne pleure pas. Je ne suis pas un faux prophète. Attends, papa. Je vais vous faire rire. Voilà Lorraine qui est assise comme ça parce que son mari n'est pas là. Maman. Son mari est gentil. Voilà, elle fait le gardinage au salon. La femme qui va t'attendre comme maman, ça. Maman. Il est sorti, non. Il est parti faire le golf. Machin. Il allait faire le golf, c'est samedi. Tu vas partir quand? Tu vas voir une jolie maison quand tu veux rentrer comme ça. Une femme t'attend. Là, l'oreille de là. Moi, voici. J'ai mon pyjama. J'ai le short. Je marche avec le short à la maison. Quand son mari va rentrer avant de la soulever, son mari la porte. Voici un robot. Voici mon short. Voilà mon petit short. Regarde mes cuisses. Regarde. Le mari de l'oreille de robot comme ça. Dès qu'il rentre, il va soulever son enfant, monter à l'escalier, depuis jeter au lit. Et tu vas rester à baver sur elle. Dans le bon bangala des Américains. J'ai confiance aux Américains. Oh, fuck me, baby. I am the baby. Baby. Tu es là, tu pleines notre soeur, maman. Pourtant, les hommes nous binda. Écartement. Maman. Si c'est là-bas en bas, même sur le pôle là, je tends mal les fesses, ça entre.
Je tends les fesses, ça entre, même ici en bas, même là-bas en haut, même dans les chambres. Il est là comme ça. Tu. Pourquoi? Qu'est-ce que tu me veux? Je ne pleure pas que tu m'as posté. Je ne suis pas un faux profil. Je ne pleure pas que tu partages mes photos. Mais chaque fois, il faut comprendre que chaque fois que tu postes mes photos, je suis en train de prendre les photos. Ce sont les preuves que je continue avec tes bêtises. Chaque fois, va voler mes photos, va voler mes vidéos dans le truc de Général. Général, n'arrête pas de poster. Si tu veux poster mes photos, laisse-le. Dès qu'il prend, il va poser. Je vais faire la capture. Et les gens m'envoient. Chaque fois qu'il fait le direct sur moi, prenez la capture d'écran, envoyez-moi. Tu sais, ce qui m'énerve sur Afam, c'est que Afam s'attaque des femmes battantes comme les nous. Il a perdu sa vocation sur Facebook. Hein. Il a tout perdu. Parce que je ne sais pas pourquoi tu t'attaques à nous. Nous, on ne t'a rien fait. Nous, on ne te gère pas. On dénonce le harcèlement et c'est ce qu'il est en train de faire. Vous ne voyez pas ça? Il dit qu'il n'harcèle pas. Imagine ce qu'il fait sur Messenger. Imagine ce qu'il fait aux femmes derrière. Vous ne voyez pas ça? C'est quand il va vous faire ça que vous allez voir la femme qu'on appelle Aziza Maria. Le jour qu'il va commencer à t'insulter, Patricia, le jour qu'il va commencer à t'insulter, je dis, je sors tous mes faux profils. Je veux commenter partout. Parce que ce qu'il est en train de faire aux filles là, mes soeurs et moi, il va vous faire ça. Le gars là n'a pas d'amis. D'ailleurs, donc. Non, mais ça va sortir. Même s'ils font, ils sont en ça, je m'en fous, je ne vais pas entrer dans leurs histoires de relations, ce qu'ils ont. Oui, mais il va faire la même chose. Maury Koulibaly, ça va? Ça, c'est un nouveau faux profil, bien c'est qui c'est encore avec Maury. En tout cas, bonsoir. On te voit, mais je ne lisais pas le commentaire avant. Oui, je t'ai dit bonsoir. Nous ne sommes pas dans les histoires, nous sommes dans le Congo, ça, ici, là. Donc, moi, je voulais juste faire comprendre à la femme que la femme, je ne veux plus que tu prononces notre nom. D'ailleurs, prononce comme tu veux. Moi, je serai chez toi le mois de février. Laisse-le prononcer, ma chérie. Laisse-le. Je veux juste montrer. Chaque fois que je dis, j'annonce ça. Chaque fois qu'il parle de moi, chaque fois, surtout quand il met mes photos, prenez la capture de l'écran parce que je veux la date. La date qu'il a fait ça. Envoyez-moi ça dans mon inbox. Moi-même, je dors dans son mur. Envoyez. Ton trou à ras, on va te retirer. Dès qu'on m'a dit que non, il ne faut pas faire ça, il a dit que nous sommes déjà fatigués de lui. Pour les filles, là, je vais faire ça. Je t'ai dit que je vais partir chez la femme. Là, j'ai envie de lui faire passer dans les caméras. Il faut qu'on voit son visage. Il veut que son peuple le voit. Parce qu'il veut que les gens qui combattent les anti-talibans, les anti-militaires au Cameroun, on voit qui est dans le noir, qui a envoyé les armes au pays. Mais c'est ça. Tu vois que tu as montré. Tu as compris. Bandit de ton état, tu t'enchaînes sur les dignes femmes comme les nous, les femmes, les célèbres européens, américaines. On contribue, nous sommes des contribuables de notre pays. Le pays d'accueil, la base, tu n'arrives pas à parler l'anglais. Non. La base. Même le français, il connaît parler. Est-ce que quand tu entends parler, tu penses, il parle le français? Il ne parle rien. Il ne parle lui rien, comme tu le vois là. Juste parce qu'il a vu que nous sommes des femmes, il est obligé de venir s'installer. Il se fout à des comme. Aujourd'hui, c'est le grand-père du Havre. Le grand-père du Havre. Je demande, que toi-même, tu as quel âge? 45 ans. Le Tinda de Lolo. Le Tinda de Lolo, le grand-père du Havre. Lolo ne te gère même pas. Tata ne le gère même pas. Toi de lui ne le gère. Le non, Tinda. Il peut être fabriqué. Mais le comme c'est qu'elle, on ne peut pas le fabriquer. Mais on laisse manger le dénigré. Il disait d'abord que c'était le mari de ma star. C'est ce qu'il disait. Mais... Et non, il veut que les gros poissons, là, tu sais que Décombe lui avait dit que... Tu sais qui suit. Décombe lui avait dit que pourquoi tu peux t'enchaîner sur les petites filles, là. Prends les gros poissons comme moi quand je suis venu dans la toile. Maintenant, il veut prendre... Donc, c'est ce qu'il est en train de faire, s'enchaîner sur Mafo, s'enchaîner sur Tata Lolo, mais ça ne prend pas. Et alors que nous, on est là, on est en train de le dénoncer et ça fait que salit son image. Et la femme, il ne peut pas. Il est connu. He's irrelevant. So he's relevant on social media. Excuse me, listen, my friend. He's relevant on social media. So the fact that we are attacking his image on social media, he does not like that. Yeah. Donc, afin être dans les réseaux sociaux, il est important. Vous comprenez, non? Oui. Donc, le fait que les Tatiana, toi, Thérèse, Orisha et tout, on essaye de dénoncer ce qu'il est. Et c'est ce qui l'énerve. Donc, quand il fait un dire, il a la rage. Donc, dans sa vie, personne ne le connaît. Il est comme, he's like a monk. Like, he lives, you know, like, he's like a monk.
He don't know what it means, a monk. I don't know. It's like les gens qui vivent dans les temples là, là-bas en Asiatique. Les gens qui sont, ils sont écartés de la vie sociale avec les gens et tout. Il n'a pas hérité son pays de l'accueil. Donc, on coupe comme ça. On va devoir dormir et tout. J'ai entendu la voiture. D'accord. Vas-y. Même ma part, elle va venir bientôt. Reste, tu as fait ton gardiennage, tu salues, c'est ton mari. Maman, j'attends en kilote. Maman, je suis en kilote. Maman, Laurette fait le gardiennage. J'attends. Juste à quand son mari va arriver avant qu'elle va monter. Si son mari n'arrive pas, maman. Ah, voilà. Le meilleur, c'est quand vous êtes là pour vous déjeuner. Hey, c'est beau, hein. Allons en inbox, pardon, Paris. Yeah, let's go. Mm-hmm. I'm going to the bed now. Yeah. Bonsoir à tous. Bisous à tous. Merci de nous avoir écoutés. Bonsoir. Donc, il y avait beaucoup de personnes là, mais... il peut faire ce qu'il veut après. Allez. Mais moi, j'ai dit, envoyez-moi les captures d'écran de ce monsieur quand il pose surtout ma photo. C'est ça que je veux. D'accord. Bisous, mon bébé. On se parle en inbox. Porte-toi bien. Hein? En tout cas, la femme doit des réponses. On t'a répondu. Moi, j'attends maintenant que tu sors. Tu nous fais comprendre. Parce que tu as décidé que tu vas nous dénigrer toute ta vie. Il faut qu'on continue à te répondre. On ne te laissera plus. On te laissera pas. Chaque fois que tu sors, on va sortir. Je donne mon droit de réponse. C'est interdit d'insulter ma petite sœur sur Facebook. Parce que ma petite sœur, ce n'est pas ton égard. Tu peux me laver. Lave-moi. Repasse-moi. Repasse-moi avant. Moi, j'assume, je suis une femme. Mais c'est quoi, c'est mon Dieu? J'ai déjà laissé nous. C'est comme H. Regardez les noirs. Comme si c'est un C4. Bien, c'est... Attendez. Ok, d'accord. C'est le polo vert. Ah. Maman, à femme, droit de réponse. À chaque fois que je sors. Tu touches. Tu vas toucher de le monnaie. Pour moi, quoi dedans? Mais tu touches à ma piste. Mon nom. Mon exemple. Je t'ai fini avec toi. Je te laisse pas. Parce qu'il est très fier d'elle. Parce qu'il passait par une Camerounaise. Surtout. Là où elle est là, elle vit sa vie, une place, tu as vu, non? Son villa, la grandeur de son mari, elle vit dans cette villa, maman, avec son mari seulement. C'est les enfants qui viennent en vacances. Souvent avec son mari, 35-29, parce qu'elle n'a pas encore complété, 30 ans. Elle vit là-bas dans les villas, elle dort, elle baisse les portes. Elle a dit que son mari n'a pas le droit pour partir dans la salle distributive, dehors. Parce qu'elle-même, elle est prête. Ça, c'est la meilleure partie de ce qui est mort à moi. J'aime ça. Qu'elle est prête. Elle a monté. Vous n'avez pas vu le poteau. Où elle est montée au poteau. Vous n'avez pas vu Lorette monter au poteau. Elle dit qu'elle me fait le striptease à son gars. Oh! Vous pensez que nous, là, on peut sortir encore avec les Africaines qui ne sont pas élevées. Tu vas sortir un Africain, là, il va te dire que tu montes sur le striptease. Il va te dire que tu es bordel. C'est ça qui fait aussi, nous aussi, on fuit. Le gars que j'ai mis dans la mairie, là, c'est un pervers narcissique. C'est un gars qui a sorti beaucoup de stars américaines. C'est pour ça que je suis avec lui depuis 8 ans. Il aime ce que j'aime. Il a les fantasmes, il a les désirs sexuels, aussi comme moi. C'est pour ça que pour nous, ça marche. Il peut bien être toutes les femmes comme il veut. Mais s'il a mis des joies, c'est quand il me voit, je suis nuit, j'ai dit tourner les gros culs, je lui fais ça, je lui prends le bangala dans la bouche, je lui fais la pipe. Mais il plaît comme un bébé. Chacun son fantasme. La femme, tu n'as pas le goût. Il faut que tu, je sais pas, tu vas encore grandir. Parce que l'esprit pour changer d'abord un Africain, c'est pas facile. Hein? Et c'est moi qui ai dit à Laurent qui vient dire, vous savez, elle a mes fantasmes. C'est pas bon. C'est l'enfant. Elle a pas maman, j'ai ouvert la bouche. Quand elle a dit que son mari n'a pas le droit de partir dans les clubs, elle a dit, moi-même, d'où je suis en train de partir chez Flo, j'ai payé un club échandiste là-bas que je vais partir m'amuser là-bas. Parce que le même jour de la soirée, moi, je serai aussi dans le club échandiste. Je pense que c'est la veille ou bien le lendemain, je pense, oui. Je serai aussi dans le club, j'ai payé, j'ai des enquêtes. C'est tout, c'est mon mari qui a payé. Parce qu'il dit, je ne vais pas en France, je ne vais pas m'amuser et tout. Je dis, si tu peux me chercher, j'ai envie de fréquenter aussi le club échandiste de la France et tout. Il a cherché, il m'appelait, je m'envoie seulement le lien que j'ai cliqué. Il a accepté le paiement. Donc, comme je parle, il n'a pas aussi fait mes désirs, je n'ai pas aussi tourné mes fesses quelque part. Je vois comment les gens jouent. Devant maman, je m'amuse, je rentre. Pour moi, quoi, je lave mes yeux.
Je lave, mais j'avais les fesses, les bangalas. Pour moi, quoi, les dents, maman? Là-bas, j'ai payé parce que c'est une place privée. C'est un club, pas des trucs en espace là. Un site privé. Je vais partir là-bas en domicile parce que quand moi et mon mari, on a souvent envie de faire des certains trucs, on part à Berlin. Mais là-bas, je ne veux plus partir là-bas parce que il y a quelque chose qui s'est passé là-bas, je n'ai pas apprécié. Pas moi, je n'ai pas vraiment, je n'ai pas apprécié, je n'étais pas fâchée, mais mon mari s'est trop fâché. Donc, j'ai envie d'aller goûter pour la France, si c'est bon. Et bah, dis, regardez, elle lave mes yeux aussi, elle rentre pour moi, non. Vous savez, mais c'est aussi que bon, dès que je n'ai pas dans les clubs et chandis, maman, c'est pas nous qui avons fait. C'est pas aujourd'hui que j'ai fait le striptease. Depuis au Gabon, je suis maman la striptease. Est-ce que c'est ça que vous avez appelé Bogdan pour moi, quoi? J'ai fait le striptease. Depuis au Gabon, j'ai tourné mes fesses. Ça me brûle le bangala de mes gars. Quand je rentre avec mon gars à la chambre, je danse pour lui. Vous pensez quoi? Parce que vous me voyez grosse. Et tout de mes fesses ici là. Le bangala va te rester debout que pian. T'as compris? Donc j'ai trop aimé la partie de Dika. La fin là, elle m'a gagné, mon Dieu. Elle dit que j'étais très contente qu'elle a dit ça. Pour te prouver qu'à la femme, tu n'es rien, tu n'es pas son. Si tu vois, le niveau de pensée d'abord, ce n'est pas ton niveau. Laisse, oublie, cherche une autre femme. Cherche-toi une femme au pays, tu amènes en Europe. Tu peux amener une femme, faire le beau et tout. Elle arrive là-bas chez toi et tout. Mais en dehors de ça, il n'y a pas une fille comme nous là qui peut t'accepter. Nous, notre tête est déjà gâtée. L'esprit de la sensation nous est déjà pris. On n'est plus dans les états que devait écarter. Je vais monter. Non, maman. On a envie de danser, on a envie de préliminer des bons trucs. On a envie de chauffer. Aller se laver, revenir encore chauffer. Avant de binda. Donc, bisous, bisous, je vais vous laisser, bisous, bisous. C'était mon droit de réponse à M. Epanglo Epanda Franck. Oui, c'est ma team. À chacun sa star. Oui, à chacun sa star. C'est un groupe de 6 personnes. À chacun sa star. Tu défends ta star comme tu veux. Mais tu touches à une de nous, on sort. Donc, ciao, ciao, bisous, bisous.